On passe au gaming. T'es C'est la plus sur rentrée l'écran. des jeux Re vidéo. streamer ton écran. Il y a des jeux Oh le... vidéo. Non alors justement, calme-toi parce que je crois qu'à part celui-là, il Il y y a a un vraiment jeu rien. vidéo. Il y a un jeu vidéo, voilà, c'est le seul et unique jeu vidéo qu'il y a, Y a donc un jeu vidéo, on va y jouer. faut profiter, hein. En world premiere. Pas vraiment. En veille première. Veille En première. veille de ça. Et encore, je crois que si les gens l'achètent là, ils peuvent y jouer. Early Access Premiere. non, 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 attends. Je crois que c'est l'Early Access commence demain. Bah non, le jeu Le sort 15. demain. Ah non, il sort le 18. Ah! C'est vrai? Oui. Jure. Juré. Édition de Que luxe, des t'as boosters. 3 jours Que de des boosters. d'accès anticipé. Ah oui. Ok, parce que... Là, c'est en préco. Et si tu prends l'édition de luxe, tu peux y jouer demain, je crois. Ah, ouais, parce que là, je vois l'info là. Pas fou, mais effectivement, oui. C'est que dès demain, tu peux y jouer. Ah oui! Si tu Si mets tu les prends la moyens, Deluxe. bien sûr. Mais la Deluxe est tout à fait disponible sur l'Epic Game Store, donc c'est En tout à fait précommande. faisable. Et vous pouvez avoir accès à World Premiere. Comme ça, tu te lèves demain matin et World Premiere. Yes. Alors, moi, personnellement, énorme fan de Prince of Persia. C'était un jeu vidéo qui m'avait marqué sur la GameCube et qui était bien Alors bon. mieux que par exemple. Je sais pas s'il rigole ou pas. Quoi? Il était pas sur la GameCube, il était sur la PlayStation. C'est sûr ça? Non. Bah, moi j'avais un pote petit qui l'avait sur sa PlayStation. Et Les moi je deux? l'avais pas. Il a pas été sur les deux. Ouais, je suis quasi sûr de l'avoir eu sur GameCube, hein. Ah ouais? Les sables du temps. Ouais mais c'est ça que je me souviens, c'était les Sables du Temps. Ouais. Et je me souviens que mon pote m'avait dit qu'il était sur PlayStation et moi j'avais la GameCube et donc que je pouvais pas l'avoir. Donc j'allais chez lui pour jouer. Ça m'avait cassé le cerveau à l'époque, quand tu mettais le ralenti et tout. Mais le ralenti et que ça repart en arrière. Ouais vas-y. C'était genre incroyable Et quoi. je crois que je me souviens que quand tu poignardais un mec, tu lui retirais son genre d'énergie qui permettait de remplir tes sables du temps, c'était pas ça? Oui, c'était assez barbare, hein. Tu prenais son sable. Excuse-moi, Ouais je ça prends votre j'ai... sable. Ouais, Après le jeu était c'était. dingue hein, c'était Ah, moi j'avais adoré. le préquel de ce qui est devenu Assassin's Creed après. Oui. Puis ils ont pris Prince of Persia, ils ont chié dessus, ils l'ont gâché, si je peux me permettre. Puisque on sait tous ce que ça vaut. Oh les Non, pro... non, non, c'est c'est dispo aussi vraiment sur Epic Game Store, un... c'est un jeu Oh. magnifique. Et Tout puis les l'Assassin's premiers Creed. Assassin's Creed ils sont géniaux en Ils sont plus. géniaux, moi j'adore. Surtout celui sur le bateau là, c'est un pur banger, j'ai adoré. Et puis Black Flag, il était trop bien, ton sarcasme est nul! Non, celui où il fait un voyage temporel, il est énorme. Énorme. La Hein? Mais c'est révolution. le 1, c'est l'animus, mais c'est dans ton premier du coup. Mais il fait pas un voyage temporel dans tous les Prince of Bah Persia. je sais plus, mais je veux Dans dire, dans les le Assassin's 1, Creed. c'est... Il va dans le temps quoi. Allez, nouvelle partie. Mais tu peux lancer, donc je peux voir le jeu? Non, je vais jouer seul, je t'ai dit. Ok, bah tu me décris ce que tu vois histoire que je participe un peu. Je vais t'inclure quand même, mais. Je te remets le menu, je vis ton expérience complète. Voilà. Merci. Voilà. Exploration. Explorer le monde avec un minimum d'informations sur la carte. Choisissez ce mode pour découvrir le monde par vous-même. Eh, on veut pas qu'on nous prenne la main, nous. On veut y aller. On est, ouais, c'est bon, hein. Ça, c'est pour les On nuls, est mais bêtes, vous nous, avez ou le pas? droit, hein. Mais nous, on est intelligents. Pour les joueurs qui veulent un minimum de défis. La difficulté standard. On prend ça. Ah, t'as même pas cherché à savoir ce que c'était les autres modes. Standard. Moi, je suis un joueur standard. J'ai passé l'âge de me faire challenger sur des jeux comme ça. 30 hivers sans pluie, 30 étés sans blé. Les plaines du Fars étaient devenues aussi arides que le sel du désert de Lout. De goutte. À quelques tirs de flèches de Persépolis, les Kushans, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. C'est trop bien de la méta de faire des cinématiques avec des dessins. Ouais, comme ça, le budget, bon bah tranquille. Tu fais un tracking sur Ils ton sont JPEG et tu fais l'enfer pouf! vivant de la terre. Pardon. Quel qu'en soit le prix. Puis tu peux mettre un JPEG dans un Afin JPEG, hein, tu peux d'agir, faire des trucs de fou, résistait et hein.
héroïquement. Mais ces hommes étaient tombés un à un. Prends ton JPEG, tu fais des petites découpes et tu fais comme s'il y avait du volume. Alors regardez. Comme sur Windows Movie Maker, hop les JPEG comme ça là. T'as écouté? Oula non. Evishka, le général Kushan savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. Wow, ok. Wow, ok. Hein. Ah, c'est un peu comme dans Naruto Shippuden. Ah ouais, c'est comme Naruto. Allait devenir une légende. Oh, c'est complètement Naruto. Ah, c'est comme Arcane. Non mais si ça c'est pas le prince de Perse. Immortel en avant. Mais ils sont combien? Et je suis qui? Ok, je suis. Mais pourquoi tu crois que tu veux jouer avec ta souris là? Oh pff, ouais. Anisa. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Sauf Persepolis. Je t'ai formé pour ça. Ça marche. Je vais aider mes guerrières blessées. Ok. Allons-y, Sargon. Je. Ok, ça j'ai capté. Je pars. J'attaque. Bah, il y a un problème avec la taille de tes sabres. Là, tu trouves? T'as vu la taille qu'ils font, toi? Eh ouais, mais c'est leur portée, tu vois, genre. Ouais, non, non, ils sont gigantesques, c'est vrai. Maintenez A pour sauter plus haut. Ok. Je. Ah! Attention, c'est du Rashabar! Où est mon sable du temps? Il a dit attention, c'est le roi Shabbat. Je suis le roi Shabbat. Bah, c'est ce que j'ai compris. Je suis peut-être le roi Shabbat, hein, c'est. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. J'aurais dû me mettre en difficulté à Maxima, je pense. Oula, tu vas me voir bien de dire. Pour ça, sachez qu'il va réussir à le faire une fois sur 10 en vrai. Ah ouais? La parade frame perfect? Frame perfect, into les lancer dans des pics. Ouais, j'étais occupé. Bon, bah voilà. J'étais vachement occupé. Bah, ne recule pas. Viens. Bon, d'accord. Allez, c'est bon. Allez, ça va. Il est beaucoup trop rapide. Ce serait trop bien qu'un mec ait de l'assurance dans la vraie vie. Viens, je t'attends. Je prends un gros coup d'épée dans la gueule. C'était le meilleur guerrier de Perse. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le con, là? Je sais pas. Mais c'est la bande à Picsou. Pourquoi il y a des mecs différents Ouais. Chacun a un truc cartoonesque. Ah, je sais pas. Cours, Sarko. Sarko, on comprend plus rien, là, au lore. C'est Shabbat, il y a Sarko, je comprends plus. Il doit y avoir un tas de trucs cachés, mais vu qu'ils se contentent de courir. Astrala, dans une heure, j'ai fini le jeu. Ah! T'as retenu la mission à laquelle je dois m'arrêter? Si je dois Parce qu'il y a un petit embargo là, et j'ai oublié moi. Non mais tu, je te l'avais envoyé donc tu regarderas un petit coup. Parce que sinon on va prendre un procès. Oui je sais mais tu sais, il a un nom le boss. Ouais je sais, justement j'ai oublié et son imagine, nom. Imagine on sait pas comment dans le jeu on sait son nom. Et on le bat et seulement à la fin avant de mourir il dit je m'appelle. Et du coup c'est illégal. Je suis Sylvain. Eh hey, mais mon équipe, c'est qui mon équipe là? Et du coup c'est pas un jeu multi. T'aurais pas pu prendre le contrôle d'un des mecs de mon équipe là? C'est un jeu multi? Mais non, c'est pas. Non, je pense pas que ce soit un jeu multi, mais ça aurait pu être l'occasion. Crois-tu que tu t'aurais demandé une clé pour moi en plus? Mais non. Non, j'en ai demandé une que pour moi. D'ailleurs, vu que j'ai pas de clé, je vais devoir l'acheter. Où ça? Je vais l'acheter sur l'Epic Game Store directement avec le lien que je vois dans la description et je n'oublierai pas de mettre le code Créateur Gros qui est pour soutenir des créateurs que j'aime et qui me passionnent. Tu es un abonné exemplaire.
Oui, c'est bien ce que tu fais. Cartes. C'est un bon choix. Non, tu as acheté un carton de display, c'est fou. Un carton. Je dois rebondir. Ah si. Ok. Azaza. Azaza, et ben j'espère que Azaza se présentera quand il se montrera à nous. Azaza. Ce gameplay. Alors, je ne sais pas que c'est la mission d'initiation, hein. Oui, oui. C'est très facile. Mais regarde, regarde ce qu'il va prendre. Ah, Zaza. Putain. C'est pas lui, hein. Non. Oh, c'est wow. C'est de moi qui parle. Attention, sergent. Une attaque périlleuse. Œil jaune présente une opportunité spéciale. Parie avec Alté pour déclencher un contre-vengeur. Waouh. Je suis vraiment trop fort. C'est un genre de guerrier samouraï. Mais arabe. Je suis un samouraï arabe. Mais du coup. Par contre, je m'adène. Il y a les sables du temps. Bah. Tu pourras en avoir besoin. Peut-être pas. Ils se sont dit. Dès on refait Prince of Persia, mais on retire les sables du temps, c'était chiant quand même. C'était un peu casse-couille la mécanique là, où, avec le passage dans le temps et tout là. Ah, j'imagine qu'à un moment je vais prendre un peu de sable. Oh Luiska, pas de chance. Bon, il est où Shabbat? Non, mais c'est toi Shabbat, je crois. Ah, pardon. Le roi Shabbat. Waouh, Dragon Ball Z ou quoi? Waouh. Ah, ça a littéralement fait un bruit de manga. Mais tu regardes aucun manga, tu sais pas quel bruit ça fait? J'adore les mangas. Et ouais, ça se regarde pas un manga, ça se lit. Ça se lit un manga. Ok. Donc ça fait quel bruit de feu de papier? Bah attends, je vais le refaire. Voilà, donc là c'est l'embargo, c'est le boss Azaza, donc on va arrêter de jouer. Ta vie ici, à moins que ce soit la tienne. Ah ouais, bah c'est j'ai rien compris à ce qu'il y a écrit. Ouais, le Mishka. C'est bon. T'as vu, je l'ai paré. Ouais, bah non mais c'est facile. Je suis excellent. Ils t'apprennent là, t'es pas encore dans le monde ouvert. Bon allez, et je vais... Wow, je vais charger une attaque pour que tu comprennes. T'as vu? T'as vu? Ouais, un peu, c'est vrai qu'il y a un petit côté Dragon Ball Z. Wow! Attends! C'est ni plus ni moins qu'un Kamehameha. Ouais, j'ai pris cher, ok. Vas-y, vas-y. Ah ouais, bah là, c'est ingérable, c'est trop dur. Le jeu est trop dur, hein. Tu t'es mis en mode de difficulté normale et c'est la toute première mission. Mec, tu vois bien que je suis en train de l'exploser, le mec. Vite, il a J'ai une opportunité! L'opportunité! Oh, ils m'ont arrêté le temps, le bâtard! Je suis vraiment une merde! Ils se sont dit, mais lui il a eu le temps, je vais le faire pour lui. Allez hop, t'as plus de cheval, c'est devenu beaucoup plus simple. Mais là j'ai paré, mais le problème c'est que voilà. Oui, ça a bugué. Bah, ça a fait une parade, ça a fait du rouge. Bon, là d'accord, j'ai raté. Donne-moi une nouvelle opportunité, t'es mort. Bon. Ok. Fais le mec qui a un peu plus tensé, tu sais, t'arrêtes de bouger et tout, genre, viens à moi. viens à moi. Oh. Wow. Oh, ça a fait, tu sais, un genre de... Ça... Comme ouais. Harry Potter quand il se bat contre Voldemort. Oh, la ref nulle, fallait prendre un truc plus classe. Je sais rien, mais quand il y a Vegeta qui se bat contre Robert et Mathieu, je sais pas, je connais pas les mangas. Un truc de gamin, là. Putain, je suis bon, là. Ah. Alors, j'étais un peu nul, je te le dis, ce que j'ai bien lu. Non, attaque non imparable, attaque rouge imparable. Attaque ouais, bah j'ai esquive. J'ai pas le temps de faire attention à la couleur de quand il m'attaque, je m'en fous de ça. Oh, comment il y a le seum. C'est toi que la mort a choisi. Mais il fait quoi? Il s'enfonce encore plus? Ouais, il veut bien être sûr qu'il est mort. Le Simorgue, notre puissant protecteur, a quitté le ciel de Perse.
Mais nos ennemis super, dans toute l'équipe, il n'y a que deux femmes. Doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Roi de Perse. Il y a 30 Bren, ans. Pardon, j'ai des préjugés. D'accord, et toi en plus tu penses que c'est directement un roi, c'est bon. Je vois l'ambiance. Il m'a désigné pour qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas un roi peuple. Aujourd'hui, moi, Tommy, j'ai pas la voix. La voix, j'ai pas. Je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Non, mais je retiens. Varam, toi et tes guerriers avez une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse. Avance, jeune Sargon. C'est une insulte. Ouais, parce que là, c'est quoi ça? C'est mon prénom? Le long des murs. Je suis Shabbat ou Sargon? Non, mange pas. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre. Parce qu'on les entend, tes gros emballages de gâteaux là. On les entend. Petite madeleine. Le vent noir qui détruit tout. Ah, tu vois, je suis Sargon, le Rachabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage. Ah ouais, non, mais c'est trop. Tu retiens, hein. Dès que tu mentionnes mon personnage, tu l'appelles comme ça, ok? Sargon Rachabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage, ok. Voilà. Je n'ai pas choisi ce nom. Ah bah, on s'en doute. Il aurait fait plus court. Moi là-bas, c'est Vincent, mais bon. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. C'est un jeu mobile pour nous mettre des... titres. J'espère que c'est entendu. Ouais, sur le côté comme ça. Et puis qu'ils ont pas filé un petit costume. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur j'ai peut-être rien eu de. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus. Ouais, mais bon, je t'ai parlé, mais j'avais pas vraiment envie de te parler finalement. Je ne peux pas vous laisser passer pour une raison. D'accord. Bon. Comment je glisse? Ça vous l'impressionnait? Ouais. T'es bien battu, ça. T'as vu, elle est impressionnée. J'ai terrassé Uvishka. Persepolis est sauvée. Vraiment? Des milliers de morts sur le champ de bataille. La Perse survit à peine. Pourquoi voir les deux persos à l'écran? C'est vraiment l'équivalent de quand on est en train de jouer et qu'il y a Wankul alors qu'on voit déjà le personnage. Quand il n'y a plus qu'est-ce qu'il y a au ils ont copié les Wankul. Ah putain. Oh les bâtards. Bah il y a le flash. Putain. Je sais. C'est vraiment une idée de génie. C'est beaucoup plus drôle avec les petits personnages qui apparaissent là. T'as vu? C'est trop marrant. Bah mate là plus longtemps. Il est bizarre lui. Ouais, il est resté bien longtemps. Ouais. Tu peux aller au fond? Non. Oh! Ça, c'est un peu les sables du temps, ça. Ah ouais, bah si, ça c'est complètement. Sans le sable du temps. On va faire ce genre de choses. Et là, j'aime bien les petits. En fait, bon, spoilez-moi dans le chat. Y'a les sables du temps dans le jeu ou on peut pas remonter le temps? Déjà, le côté un peu parcours, j'aime bien. Mais redonnez-moi un peu des sables du temps. Pas le genre de qui? Le héros du... Bon, en fait, alors, ils sont trop cons, ils ont pas vu le jeu. Cherche à troquer. Tout le chat m'a dit, va je sais pas. Leur sens. C'est leur manière. D'accord. Pas senti. Bah oui, mais je sais. Je me suis dit, il y a un monde où quelqu'un le sait. Ah, vous avez pas de clé, vous? Oh non. Alors, tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre? Ouais. Ouais. Ah, on dirait que tu sais, tu peux être. C'est un. Ouais, je vois que tu es lecteur rapide. C'est oui. Aussi la fierté du lion. Et avec le dernier, on a sauvé la. Ah oui, là-bas, je ne rate pas. Ah non, mais. Le prince Hassan s'est fait enlever. Des ravisseurs. Je crois que le masque, il aurait fait sur un trou de la boue. Ah non, c'est moi ou cette personne a une toute petite tête. Tu es l'un des derniers à avoir parlé. C'est la douleur du corps. C'est un avatar. En plus, il est bleu. Il faut retrouver le prince Hassan. Alors, les gardes d'Anaïta. Ah! Je me grattais le nez! Alors 100%! Vraiment, je me grattais le nez! Incapable de parer la première attaque, c'est quand même scandaleux! Qu'est-ce qui s'est passé? En garde! Non, mais alors là! Mais quoi? Tu m'es un peu stylé! Ils mettent du délai sur les attaques! Oh, en plus, il a des trucs à distance! Ah, t'as du soin, hein! Les JO! Ouais, non, mais pas besoin! Bah, t'as qu'une barre de vie en gros! J'en ai pas besoin! Hop là! Bon, je crois que le prince Hassan là, il va.
Ah, 3. Ça sera 3 fois plus facile. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu veux utiliser l'énergie des sables du temps? Oh là non. J'utilise mon ult. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'atra, tandis que subir des dégâts en fait perdre. Bon bah je vais pas avoir beaucoup. L'accumulation d'atra est affichée dans une jauge au bas de l'écran. Une fois la jauge pleine, ouais bah voilà, bah, LT plus X. Vas-y. Waouh. Ok, donc ça quand t'as une brochette d'ennemis c'est pas mal. Ça marche bien. Ah oh, ça remplit bien la jauge en plus hein. Une barre, bah, t'as fait la moitié. Il suffit d'être fort hein. Eh hey, il met un délai, il faut connaître leurs bah attaques. Ouais, bah... Mais maintenant je les connais. Non mais c'est bon, maintenant je connais l'attaque. Puis regarde, ça il l'évite jamais. Trop nul. Ah. Eh, hey, elle était rouge, c'est ça? Mais j'appuie. Mais ça explique pas ton truc. Je fais LT. C'est bien LT. Voilà. Il faut le faire au bon moment. Hein. Oui, prétendument. Ah, les petites attaques de merde à distance. Oui, mais là. Attention, LTX, maintenant. Ya. C'est fou. C'est du bon gameplay de journaliste que je suis en train de vous donner. Ah, c'est beau. Hein. Ah, le gameplay de journalope en avant-première. Anaïta. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Est-ce que genre Julien Chaise, il est fort aux jeux vidéo? Écarte-toi. Est-ce que quand il fait ses reviews et tout, il est super fort ou est-ce qu'il est comme les journalistes? C'est une bonne question. Est-ce qu'il a un nouveau journalistique ou est-ce qu'il a un nouveau gamer? Je connais pas. Non, Clacos. Oh, vous êtes dur, je suis sûr. C'est quoi ça? Ah, honnête, quelqu'un qui a dit niveau père de famille. T'as compris que c'était une grosse traîtresse? Je regardais pas. Moi je me contente de parer et d'attaquer. D'accord. Il a mis un pied dans le cercle maudit. A partir de maintenant il aura un mauvais sort. Il a la marque de la bête. Oh bah. Oui, alors laissez-le moi, je m'en occupe. Du sabre, c'était pas juste pour le style. Je vais sauver Persepolis, laissez-le moi. Regarde. D'accord, bah j'étais pas prêt. Une attaque inarrêtable et rouge ne peut être parée. Oui, bah... Oh, tu t'es fait désintégrer dans l'univers. J'étais occupé. Esquiver avec okay. RT. Bah donc, voilà. Rouge. Rouge égale RT. Ouais, mais moi j'ai... Je vais pas pouvoir réagir, c'est... T'es pas d'attendu à ce point-là. Ah, regarde, c'est au dernier moment que tu sais que c'est rouge en vrai. C'est dur. Ah, il faut des réflexes. Ah ouais, mais moi j'ai pas de réflexes. Je déteste les jeux à réflexes, je l'ai déjà dit. Non. Bah je déteste tout ça. Ah là tu vois j'ai fait une esquive mais vers l'arrière, c'était apparemment pas assez. Et tu aimes les Souls-like par exemple? Je les déteste. J'ai appuyé mais peut-être un peu tôt j'imagine. J'ai pété un plomb, c'est un Souls-like. Il est en normal. Ta gueule. Ah non mais moi ces jeux là c'est grave hein. Je ne sais rien. Non mais ça va venir, ah, c'est bon, mais c'est si. Bon. Je suis un... Souviens, on avait fait un jeu. Putain, je sais plus que c'était un Souls-like sur les filles. L'enculé de sa mère. J'ai oublié le nom mais ça te l'aura. Et bah au début t'as galéré, mais au bout d'un moment t'as commencé à prendre le main. Ah mais j'ai appuyé. Tu prenais le truc en main et t'avais aussi Portal Shell, voilà. Putain regarde. C'était notre premier jeu avec Epic. Un bon souvenir. Je m'étais dit, bon bah ce partenariat c'est filé au vinaigre. Mais ouais ta potion magique t'es Astérix là. Mais pas besoin. Mais si. Bon je la bois pour vous faire plaisir parce que pour vous détendre. Regarde, rouge, j'esquive. Pas rouge, je pars. Putain. Mais c'est pas rouge ça. Et puis qui te file une clé et ils te disent entre parenthèses, n'hésitez pas à prendre le niveau de difficulté tout ça. Putain de merde. Non mais faut juste que j'utilise ma magie, regarde. Je triche. Oh le bâtard. Waouh. C'est pas de la triche que d'utiliser ça. Oh t'es mort. Alors là t'aurais pas dû. Non. C'est attends, lui ou moi. C'est lui ou moi. Oh
Oh, t'as eu de la chance. Ah, trop facile. Trop regarde simple. Regarde ta vie en haut à gauche, non, il n'existe plus. Y a... je... le combat est terminé, d'accord. Je passe à autre chose. Hein. Anahita, qu'est-ce qui se passe? Sargon, c'était qui? J'ai cru en moyenne, sur ce combat, Anahita, apparemment, les gens meurent à peu près une dizaine de fois avant de passer. Oui. C'est... Varam, c'est basé sur quelle statistique? Partez immédiatement. Oh, Nashir et ses soldats sont déjà sur les places. Ils sont sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils. Ça marche. Bizarre votre chapeau là. Quelque chose à dire contre les traditions. C'est typiquement perse ce chapeau là. Oui. Ce grand cône de chantier. Non, mais c'est vrai. Ça abrite quoi? Non mais franchement, un chapeau, on demande pas un chapeau d'être haut, tu vois, c'est plus... Mais tu dis ça en mode, on n'avait pas des chapeaux melons et les hautes formes de merde des Anglais là qui montaient à 3 mètres de haut. Ouais, ça allait, tu pouvais passer les portes là, c'est abusé ce truc. Sargon, tu la connais bien. Mais t'as oublié qu'on avait que t'es abusé haut. Elle a toujours été... Deux chapeaux melons. Elle veut prendre le pouvoir. Non, pas melon, mais tu sais, des hautes formes. Le dieu. Ouais, c'est vrai, un peu, mais bon... Mais pourquoi enlever le prince Hassan? Elle en a besoin. La porte du temple du Simor. Y en a pas un dans l'équipe qui a un petit rigolo qui fait des blagues? Elle n'aura jamais. Bah si, regarde vite, c'est pourquoi? Une non. Chose est sûre. Le prince Hassan regarde, est en danger. Quand il parle. Mortel, allons-y. Attends, faudrait qu'il reparle un coup. Il parle dommage. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas long. Oh, j'aurais bien aimé faire une balade à cheval. Attends, je teste un truc. Ok. Dès que t'as dit que je te laisse un truc, je savais ce qu'elle allait s'en suivre. Un peu de parcours là. Mettez-moi un petit parcours. Ok. Attends, mais là il y avait un truc à faire. Oh, oh, reviens derrière. On te fait passer à l'intérieur d'un grand bâtiment et tu te dis pas qu'il y a un truc qui est louche. T'as déjà joué à un jeu vidéo, sérieux? T'as déjà joué à un jeu vidéo? C'est insupportable, genre. Là y'a rien. Bah non. Sauter tout, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien du tout. Y'a même pas de mur sur lequel se. C'est louche, non? Oui. Le mont Kaf. La montagne sacrée. Déjà venu? Ouais. Non. Mais les religions mettent le mont Kaf à bout. T'imagines le mec qui s'est dit. Bon, je vais m'arrêter pour lui raconter une anecdote. Fierté de toi. Et personne n'a jamais. Je vais lui raconter l'anecdote. Difficile toujours de dire bon, t'as déjà été au Père-Lachaise? Non. Et bah, vas-y un jour. Tu verras, il y a toujours un mec random qui va venir te parler pour te dire « Ah ça c'est la tombe de machin !» Et faut savoir qu'à l'époque, il va pas te lâcher. T'as toujours un mec comme ça qui vient t'alpaguer alors que tu n'as rien demandé. Mais je ne vous ai rien demandé. Attends, j'ai pas de double saut moi. Ah non, là c'est frustrant. Bah tu l'as pas encore débloqué juste. Ouais mais... Attends, sûr ouais, non. Après ils m'ont dit en restant appuyé je peux sauter plus loin. Non. Chier. Ouais, alors que t'aurais très bien pu aller de l'autre côté, tu le sais, ça. Ça m'emmerde. C'est quoi derrière, là? Pourquoi ça vole? Il y a un problème, pourquoi ça vole? Mais là, ça défie les lois de la physique. Est-ce que c'est pas encore un passage? Oh non, pas les rêves. Les non, rêves, c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Puis c'est toujours des trucs qui flottent avec un... À chaque fois, de la pierre, avec des trucs qui flottent, qui flottent au bout. Pour moi, c'est... les devs, ils ont fait une grosse bug, vous avez dit, on fait ça dans tous les jeux vidéo. C'est une convention que tous les devs ont signé il y a 10 ans, là. C'est comme le cri de Willem, où ils sont obligés de le faire, bah, dans tous les jeux vidéo, ils font ça. Putain, parce que quand je vais revenir ici avec un double saut, je serai le roi du monde. Ah. Putain, chier. Ou alors juste un grand saut. Mais je pense que ouais, le double saut est plus logique. Ouais. Allez, clair chocolat. Soyez vigilants. Mange pas trop, me chauffe pas, j'ai de la semoule froide, ok? Oh, elle est devenue bien dure. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Ah, il est marrant, je le grand. Sens une présence bizarre. Ça doit être le personnage un peu rigolo. Oui, moi, c'est je lui. Le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. C'est vraiment aigri comme mec. Moi, c'est bien, mais la première fois qu'on me dit ça. Faut pas me montrer, moi ce que j'ai retenu de cette cinématique, c'est le petit pilier au-dessus là. Le pilier en haut là, avec la plateforme, bon ça, faut pas me chauffer. Partez devant, je vais m'occuper de ce pilier.
Oh, c'est pas normal sa tête, tu vois, y a un mal qui se passe. Ils vont se réveiller, c'est des morts vivants. Oh non. Oh non. Si. Mais c'est impossible. Regarde, mais c'est impossible, ils sont morts. C'est impossible qu'ils se réveillent. C'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Non, vraiment, s'il bouge, je te donne 5000 balles, sérieux, c'est impossible. Ces chairs sont putréfiées depuis longtemps. Ah, c'est qui bougeait. Je suis dégoûté. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Quelle est cette magie? C'est la sorcière rouge. C'est dans quoi la sorcière rouge? C'est dans Marvel. Ah oui. Nous ne sommes pas les bienvenus. Ah oui. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anahita. Allons vers l'est. Y'a que moi qui fais pas des sauts comme ça. Putain, ils sont tous partis en mode bûche. Et moi je marche. Oh, y'a la putréfaction ambiante. Non. Bon bah 5000 euros directement. Quel est ce maléfice? Mais c'était imprévisible. C'est vrai que je suis écrit. C'est les 32 ans, ça me sent différent. Mais regarde. Ah ouais, non, c'est de l'autre côté. Ouais, ça semble logique. Wow. Bah attends. Ouais. Bah attends, il y a une énigme là. Bah. Bah double saut, double saut. C'est vraiment un monde pour les doubles sauts. Wow. Oh non. Attends, tu aurais dû profiter de cette occasion. Eh oui, c'est dommage. Attention, super attaque, FTX. Trop tard. Wow, ouais. Vas-y, le 3. Ouais, c'est vrai, mais je le garde pour quand ce sera plus dur. Je l'avais pas vu. Ouais. Ah. Mon secret. Bah, brise le mur. Ah, ça t'énerve, hein. Ah, putain, mais c'est horrible. Mais c'est horrible que tu me fais. Oh non. Attaque chargée, ils t'ont dit. T'inquiète. Panique pas, je vais charger mon attaque. Ok, commence à paniquer. Je vais pas faire mon ulti. Non, je vais pas faire mon ulti. Bah non, mais pas un ulti, mais là, ça se brise, ça, je veux dire. Oui, mais avec une autre attaque. C'est un jeu où il va falloir revenir tout le temps avec des nouvelles compétences. Non, je vais aller sur que ça s'ouvre. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Ah ah. Une parade. Ça c'était de la parade. Prends ça, Julien Chiez. Attends, tu t'es quand même mangé pas mal de coups dans la gueule. Hein. C'est moi le meilleur dans ce métier. Mais t'es pas journaliste. Si. on est un peu journaliste, hein. Attention. Hein. Non. Ah ouais. Attends. Bon, là y a des pics. Allez, Julien. Compris. Donnez une direction. Ah. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure. Je retourne en arrière. Non, putain, non, non. Si. Non. Si, je vais le faire. Petit joyau. T'inquiète. C'est long. On va... Non, tu le regretteras pas. Des trésors inestimables s'offriront à toi. Ça me manque les intro sponsors. Putain. Merde, revenez quoi. Manque. Bah super. Gong, faut sonner le gong. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et bah au moins maintenant on le sait. Merci Yann pour les 5 subs offerts. Merci Yann. Yann. Avec un E, Yann. Bon bah on le sait, voilà, c'est fait. D'accord que ça suffira pas. Ah ouais, ça suffira pas du tout. Ah, pourtant. C'est curieux. Ah, c'est arrivé seulement à donner une direction un peu. Ah, d'accord, il y a des diagonales. Ouais. Désolé. Oh. Oh ouais.
Bah oui, tu peux clairement choisir, hein. C'est top. Et voilà, je peux lire les textes anciens. Oiseau de la connaissance, le Smorgue détient la clé de... Comment ? Si, si, pardon, vas-y. Je reprends. Le Smorgue détient la clé de toute, la de toute vérité. Il est le gardien du temps et des destinées. Il veille sur l'équilibre de toutes choses. Tu vois ? Le gardien du temps. Ça doit être le Smorgue, le sable. Et donc, sur tout le Smorgue, on aura les sables du temps ? Oui. Quoi ? Non. Ah, peut-être. Je sais pas qui est le Smorgue. Je sais même pas si c'est une personne. Quoi, elle est par là? Ah ouais. Eh oui. Ah non, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les combats. Avec toute cette gemme. Sur les combats, d'accord, mais en termes de plateforme, c'est parfait. Tu viens de comprendre au bout de 20 minutes que tu pouvais diriger ton saut. Oui, mais une fois que c'est su, alors là, c'est ça déroule. Hein. Des archers, comme ça suffisait pas. Et tu ne sais pas esquiver les flèches. Pas sûr, non. Je pense pas que je vais y arriver. Ok, on verra jamais ce qu'il y a en haut. Il y avait rien, je pense. Ah. Oh, la petite attaque Ah ouais, regarde. T'es baisé, là. C'est un peu de la fiche. On est d'accord. Ouais. Regarde. Non, je peux pas. Par en dessous, quand même. Ah ouais, c'est... Ah, tu n'as pas profité. Je... Les réflexes, c'est dur. Voilà, c'est plus plaisant. Connard, à travers. Une flèche à travers. C'est nouveau. C'est exactement ce que tu fais. Moi aussi, je peux faire à travers. Bon, c'est trop fort. Oh, attention à cette plateforme. Elle complexifie l'expérience. Oh bah, c'est, elle, vraiment, elle tombe au bout de 20 secondes. Oh, attends. De l'or. Des feuilles. Qui mènent à de l'or. Ouais, il y a un trésor. De l'or de la connaissance. Le Smorgue est la justice et la mesure de toute chose. Depuis les plaines du phare jusqu'à la vallée du Nil. Ça rend des feuilles, hein. Oui. Ah, et ça m'a... Ah non, pas un enfant. C'est dangereux ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle, j'en connais chaque... Attention, je tue les animaux et les enfants. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque... Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attrait est absolument pur. Elle invente. Dis-moi. Tu as l'air de savoir. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince. Ouais. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont Caf, alors il te faut... C'est quoi? Okay. Un objet très rare et très ancien. Ah, oh, c'est ça, c'est ce qu'il nous faut. C'est la jarre pour les sables du temps. Cet œil de verre magique permet de cartographier tout le Mont Caf. Pas du tout, rien à voir avec le sable non, mais du temps. Ce dont t'as parlé, je crois. C'est ridicule. Oh. Ah ouais, mais... Excusez-moi, mais... Attends, mais... Ça va faire une sacrée... Un jeu où faut revenir en arrière avec des nouvelles compétences et tout, c'est littéralement... C'est Hollow Knight, là, c'est... Tiens, en fait... La carte, ça ressemble trop. C'est le seul jeu qui a fait ça, merci Hollow Knight. Non, mais dans le genre, ça commence à ressembler de ouf, là. C'est Trash qui a inventé les bons culs, bien oui. Non, mais... Oh, c'est dur, ce que j'entends. Le Mont Caf regorge de passages et trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé deux. C'est un Metroidvania. Ouais, c'est un Metroidvania, d'accord. Voilà, je préfère, merci. Oui, c'est ça. Tu aurais dû me corriger d'ailleurs. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images pour les ajouter à la carte. D'accord. Donc là, on dit, ici, il y avait un trésor. Ouais, et tu vas changer. Merci beaucoup, petit. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba. M'en fous, je m'en branle. Ferme-la, tu m'as donné tout ce que je voulais. Ferme-la, ferme ta gueule. Et ouais, je ne peux pas aller le chercher. Et pourtant... Pourquoi ? J'y suis presque. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de double saut. Parce que je suis trop faible. Bon, allez, on y va.
passe quoi si t'interagis avec l'arbre? Ça me heal. Oh. Ok. Ouais, wow. Alors lui, il faut. Tu ne peux le battre que. Vas-y, c'est bon. Arrêtez de parler, je vais le battre. Ils font un petit délai sur leurs attaques, c'est assez énervant. Voilà, il faut être patient. L'essentiel, c'est d'être patient. Ne pas parer au début de l'attaque. Parer quand c'est nécessaire. Ouais, c'est bon. Fallait juste que. Je sais pas pourquoi, je réfléchissais pas, mais maintenant que j'ai réfléchi, c'est. C'est bien comme de l'autre roche maintenant. Hein. Oui, il y aura plus d'esquive ratée. Il y a plus. Ça, c'était avant. Voilà. C'est des piques sûres. Voilà. Oui. C'était oh oui, sûr. Ça finit par sortir, attention. Oh, oh, oh. Y'a rien dans les vases. Je pense qu'il y a rien. Oula, comment il va faire? Ça fait mal. Ah, ça fait mal là-haut. C'est toxique. C'est quoi ça? J'ai mal. T'as vu? C'est sûr que c'est de la douleur. Ah oui. Oh, ça c'est de la douleur. Parce que t'es fait toucher. Je pense que je me suis fait toucher, ouais. Il est super fort. T'as plus dit en plus là. Ouais, là c'est game over là. Bah, sauf si tu sais te défendre. Hein. Je sais me défendre. Ah ah! Voilà. Attention! Attends! Voilà. Oh ouais, c'était deux contre un, c'est facile! Moi aussi voilà. Je peux, deux contre un. Oh non, et du coup, c'est une sauvegarde, et du coup, je dois refaire. Putain, ouais, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Ah, tu vois? Et si tu te concentres un tout petit peu, il suffit de faire des efforts. Mais j'ai pas envie de me concentrer! Je vais me concentrer un petit coup. Ah, j'ai pas fait exprès. Alors là, c'est un peu trop. C'est peut-être un peu exagéré. C'est un peu exagéré, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai envie de gagner des pouvoirs là. Je veux un double saut. T'as rien veux... gagné du tout. Non. Juste une map. Je veux être heureux. Ah, ça s'achète pas. Je pense que l'argent fait le bonheur. Avec en boucle. Oh vas-y, il est en train de me niquer la gueule. Non. Oh bah c'est bien, t'as profité de ta position. En fait, si je fais ça, c'est pour farmer mon énergie d'ulti. Pas une fois sinon. Oh, tout de suite. Je vais pas utiliser ma seule potion pour juste ça. Oh. 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 J'ai eu un cristal magique. Alors ça. Et après. Bah descends. T'as vu, je peux bouger ma. Oh ah. Quelle est cette créature? Tu ne l'as jamais affronté pour l'instant. Ok, je vais l'esquiver. Wouah. Wouah. Oh, bah, soigne toi. On connaît pas sa vie. Oh, c'était rouge. Allez, ouais, c'est bon, moi j'ai peur. Ouais, ok, j'ai pris peur. Non mais c'est ce qu'il fallait, parce qu'on connaissait pas encore sa vie. Tant que j'ai pas retrouvé un arbre, je vais pas faire le fou. Tu sais, moi je pense que de toute façon, on s'en fout que j'esquive comme. J'ai déjà fini ça. Ah, c'est un raccourci. Super. Ah bah oui. On s'en fout que je sache pas esquiver parce qu'à mon avis, je vais débloquer des attaques qui vont me permettre d'oublier tous ces systèmes d'esquive et tout. C'est pas comme ça que je vais jouer. Je vais avoir, tu vois, des attaques à distance comme ça ou des trucs. Ça va bien se passer, je pense. Regarde, par exemple. Bon, bam. On regarde. Regarde, est-ce que j'ai besoin d'esquiver si je suis trop rapide? Why? Je vais mourir là. Bah, encore un coup, oui. T'inquiète. Faudrait que je retourne à l'arbre. Non, c'est bon. Mais je vais mourir, tu le sais. Mais non, tu vas te heal. Avec quelle potion? Mais pas avec des potions, avec des petits trucs que les gens te donnent. Ouais. Ah non, ils réapparaissent. Une attaque rouge. Ils restent des mecs. Mais bah visiblement ouais. Et puis putain sa mère.
Moi je vais à l'arbre, hein. C'est bon. Oh là 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 là. Ah ah ah. Non, ça suffit. Je refais pas. Tu manges quoi? Tu manges encore? Je mange une madeleine. Ouais. Tu manges, hein? Juste après, mais la boulangerie, je prends une vidéo de chocolat. La boulangère, elle dit avec ceci, avec ceci. Et tu sais ce que je lui ai dit? Non. J'ai dit que des boosters. Que des boosters. Et là, elle a trop rigolé, elle a fait ouais, que des boosters. Que des elle boosters. Vrai, elle fait, par contre, j'en vends pas, on vend que des boulangeries. Je fais bon, bah. Fin de la vanne alors. Bah, c'est tout ça. Bizarre ça un peu. D'accord. Je vais où après? Là-haut. Moi j'aimerais juste que tu... Par pitié, les sables du temps, on me dit pas qu'ils sont après le boss qu'on a pas le droit de combattre. Ah, faut voir, mais je pense que... Je pense qu'il va y avoir... Il y a un levier. Je pense qu'il va y avoir... Oh, c'est bon! Il va y avoir plein de pouvoirs à débloquer et ça fait partie de... C'est super intelligent ce que j'ai fait. T'as juste fait ça pour te protéger, pour pas que le mec vienne. Non! Qu'est-ce wow que... Oh, bon alors là... Ça vaut au moins les sables du temps. Ah, le délire. Oh non. Oh, ça va, c'est vraiment des merdes. Ah, c'est de la saloperie. Hop, hop. Hop. Et là. Oh, il y a tellement d'endroits à explorer. Nouvelle zone. Sprint plus saut, ça suffit selon toi? Non, pas du tout. Je pense que c'est infaisable avec tes capacités actuelles. Voilà. Naturellement pessimiste. Vas-y, saute. Non, la flemme. La flemme ou le manque de couilles? Ah bah ça y est, maintenant il veut que je crève. Anaïta! Ah non, Anaïta! Si c'est le prince Hassan que tu veux, alors viens le chercher! Sale traître. T'as vu, j'ai compris l'histoire. Anaïta était juste là il y a un instant. Elle emmène Hassan à la porte du Simorgue. Peut-être bien qu'Artaban avait raison, elle veut s'emparer du trône. Et ça, au-dessus. Je sais pas, mais si on veut rattraper... Trop loin. C'est Ménolias qui pourrait nous... Varam l'a envoyé en recours. Je vais essayer de le retrouver. Je cherche un autre passe. Ouais. D'accord. Ouais, ça marche. En quoi on va se faire foutre? On fait demi-tour? Je crois, hein. Attends. C'est des flèches? Oh là, ça va vouloir... Quand tu vas avoir un arc, tu pourras pas avoir oh des interactions. Là. J'aurais plus besoin de parer, je serais avec mon arc tranquillement là, putain. Ah non, t'auras un nombre de flèches limité. Non, ce sera illimité si. En plus. Parce pessimiste. Qu'il y a des arcs quoi. Oh. Oh, l'odeur de trésor. Trésor. Un ascenseur. Il n'existe pas, c'est impossible. Attends, c'est quoi ça? Ça marche. Haute citadelle. Oh là, ouais, non, c'est pour aller à. Ouais. C'est fermé. Et quoi? Et après? Ah, au-dessus, mais tu peux pas. Oh putain. Comme du coup, là, je prends une petite capture. Je prends une petite capture pour me dire. Ah, si, c'est chiant. Ma faiblesse. Trop faible. Ha! Ha! Oh, je suis fort. Ouais, bon. Ça fait chier, ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Un peu de concentration. Pourtant, ça c'est typiquement le genre de piège qu'il y a toujours eu dans Princess Persia. Ouais, mais il faut connaître les. Tu vois, faut. Ah! Il est fort, il est très fort lui, très très fort. C'est à qui il a affaire? Oula. Ouah, t'es mort. Je vais crever. Waouh, c'est quoi cette attaque?
N'y va pas. Ah oui, en fait, j'ai compris, j'y vais plus. Bah descends juste. Ah. Ok. Oh. Ah mais t'aurais pu passer par là en fait. Ouais. Regarde. Ouais, et là t'es où? Et là je reviens là où il y avait l'ascenseur. Au niveau basse citadelle. Y'a rien. Genre y'avait rien de caché là dans le. C'est bizarre, là. Dire. Là là. Ouais. Ouvrez-vous. Montrez-vous. Mais bon. Bizarre. Extrêmement bizarre et vous le savez tous. Merde. Olé. Oh. Un emblème. Ouais, c'est quoi? 4 étoiles royales. Augmente légèrement les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Okay. Vous avez pas double saut plutôt? Non. Ah, ça sera une capacité que tu auras longtemps après. Putain. Il te faut double saut, l'arc, le sable du temps. Ah oh ouais, tout ça, avec tout ça, je suis royal. Après, il y a mon cœur qui bat parce que je suis beaucoup trop faible. Oh! Ah, m'en fous. Oui, on s'en fout. Dessin d'architecture. Enfin, pour les collectionneurs, c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai tout fait ici, du coup. Sauf là-haut. Est-ce que je dois aller là-haut? Je pouvais aller là-haut? J'ai un doute. Oh, le bâtard. Avec ta vie, je te conseille pas de te mêler à un combat. Non, je vais pas aller dans un combat. Ça, c'était sûr. Mais il y avait rien à faire là-haut. Allez, je regardais, tu vois, est-ce que c'est ouvert? Ah, sans double saut, non. Peut-être, mais là tu peux pas. Tu es encore trop faible. Si faible. What? Ah ouais, tu descends? Ah bah, du coup, j'ai fait une capture pour rien. Et là, on descend, on redescend. Mais là, tu fais demi-tour juste, tu te barres du haut de la citadelle. Exactement, j'ai plus rien à y faire. Je vais aller à droite. Et là, il y a des trucs. Regarde-moi ça. Quoi? Ok. C'est en bas qu'il y a une interaction apparemment. Putain. Ah non, même pas. Non. Ah, je suis d'accord, c'est étrange. Mais oui. Peut-être encore une autre compétence. Peut-être c'est un point de TP si tu meurs. Ah. Eh, donnez-moi un arbre. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'arbre. Donnez-moi un arbre. Non, non. De quoi ça, il va pas te tuer. Bah, il est gentil, mais. Sargon, Varam, moi, je ne peux pas continuer. Le temps, c'est que mon esprit me joue des tours. Artaban, je n'en ai pas l'intention. Si un aïe. Défi, entraînement libre. Je n'ai pas envie de faire un défi avec toi. Qu'est-ce qu'il gagne en fait? Qu'est-ce qu'il me veut là? J'ai bien assez de défis. Ah? Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur? Mes frères, elle vend des trucs, ça se voit. Alors, toi et les autres. Vends-moi le double saut! Sinon, je mets à feu et à sang ta boutique! J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus détaillé a des propriétés. Chaque amulette est précieuse. Oui? J'en ferai bon usage. Oh, elle m'a donné une amulette! Oui, mais de quoi? Augmente faiblement la santé maximum. D'accord, pas mal. Faiblement, quoi. Ouais. Elle a aucune considération. C'est ça qui est un peu dommage. Elle veut pas Il m'aider la vieille. Il y a un trésor là qui se balade là. Un arbre. Oh, un arbre. On va mettre les amulettes. Je vais être très fort. Mais t'as pas de place pour tout. Émet un son spécial pour indiquer la présence d'un coffre ou d'un objet à proximité. D'ailleurs, je peux tout mettre en plus. Parce que celle-là, ah, elle est gratuite. Il y a de la place en fait. Celle-là, elle est gratuite. Et ces deux-là, ça fait 3, donc c'est bon. Et voilà. C'est parfait. Ouais, faiblement quand même, c'est une barre en plus hein. C'est bien. Attention. Pourquoi y'a un oiseau qui te suit?
C'est pas l'oiseau qui m'indique la proximité des coffres. Ah, mais il va dessus tout le temps ce con. Ouais. Je peux même pas le tuer en plus. En plus il fait cucui, attends. Ah il fait cucui. Oui, tu vois, il fait cucu en mode il y a un coffre dans cette zone. Bien joué l'oiseau. Oh j'ai dit du sable. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Oh non, j'aurais pas. J'aurais pas dû faire ça. Si j'aurais dû faire ça. Augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé de Sargon est au maximum. Ouh, c'est pas pour moi ça. Malheureusement. T'es dans la pièce qui va te permettre d'avoir les sables du temps. Une fois que t'auras complété le tableau. Il est complètement fou. Simorgh, prince. Faut ramener des morceaux. Ah oui, regarde. C'est tout ce qui manque. Je pense qu'il faut ramener des morceaux, hein. Ouais. Et peut-être que c'est vrai que, avec tous les morceaux. Je descends. Extermination. C'est fort. Ah non, faut que je pense à faire des attaques de mêlée. Mais en l'air. Oh, oh la vache. Oh là. Attention. Thermomix. T'as un robot cuiseur. Aïe. Bah, le Thermomix est fait robot cuiseur. Oui, je sais. Tu as donc vraiment un Thermomix. Bah, oui, c'est un vrai Thermomix que j'ai. Sale riche. Écoutez-le, ce sale riche. Vous le méprisez ou pas qu'il ait un Thermomix? Putain, vous pouvez pas prendre un Cookéo comme tout le monde. Il a fallu qu'il prenne un Thermomix. Ou pire, il y a le Silvercrest là. C'est honteux, ouais, prends un Silvercrest comme tout le monde. Une jarre de sable. Trop cool. Et toi, alors, combien de dépensé dans le Ritz cette année? Ouah, j'ai fait ma comptabilité, j'ai eu honte. Je sais pas, j'ai pas additionné, mais il y a trop de commandes, je me suis dit que t'es vraiment une merde. Je me suis flagellé. Ah, je commande trop, mais... Bah, je peux comprendre. Tu sais, c'est... Quand t'aimes pas cuisiner, bon bah tu commandes à mort. Pas cuisiner. Et de toute façon, t'as des moyens et tu fais vivre voilà, des restaurateurs qui proposent à la vente. Parce que j'imagine que tu ne fais pas commander que des grandes chaînes de restauration de merde multimilliardaires. T'es pas là pour faire McDo, etc. Mais tu fais des petits restos, des fast-food avec des poulets éterrabés. Je me saigne pour créer des emplois, je me saigne. Ouais, c'est déjà ça, écoute. C'est dur, mais je fais au maximum. Tu es vivant. Puis moi, chaque livreur, c'est pas moins de 100 euros de pourboire à chaque fois. Pas moins, sinon c'est dégueulasse. 30 ans. Cet endroit est un... Où sont tes compagnons d'âme? Tous perdus. Ce n'est pas sûr. Un soldat. Tiens, récupère. Récupère quoi? On va prendre son épée. Il m'a dit tiens, l'épée. Récupère. L'épée. Objet clé. Un signe de Persepolis. Ça m'a l'air inutile. Ouais, on arrive à la collection. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Il me montre quelque chose qui est peut-être utile. On l'a bien vu là. Oh là là, la salle où on... Comment on monte? Ah. Ok, pardon, ah, pardon. Donc... Ah, c'est comme dans le jeu avec le père Fouras, là. Le Fort Boyard. Oui, voilà. Mais alors, cependant... Ah bah là, c'est déjà bien. Soi-disant que le double saut que tu cherches quand, en fait, c'est juste un saut normal plus un dash. Un dash? Mais j'ai pas de dash. En vrai, j'ai... Ah merde, putain, ma faute. Ma faute, je n'avais pas vu ça. Ok. Et voilà. Ok, et là maintenant, tu peux activer l'autre. Ça tourne. Mais... Ah, mais l'autre tourne en même temps. C'est vraiment dommage. Sauf si tu attends que cela t'aide.
Ah, ok, cela est toi, voilà. Indépendamment. Donc c'est gagné. Bingo. Bingo, bingo. Non. Pas un boss quand même. Oh, il est gros. Oh non, il vient de libérer de ses chaînes. Ça fait 30 ans qu'il est là emprisonné et là il vient de se libérer. Allez, hop. Cassé en deux. T'es mort. Ah, je suis mort. Oh, t'es mort. Il est je tellement. Suis... je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Oh, je suis tellement mort. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais, bah là, c'est ni plus ni moins que la mort assurée. Bah. Ok, ok, ça marche. Eh, vous savez, y'a pas de problème. Je vais le niquer. Oh! Là, petit skip entre les jambes, pas mal. Je vais le niquer, ça c'est sûr. De toute façon, je sens que c'est quasiment toutes ses attaques sont rouges. Donc peut-être que quelque chose, mais. Genre, celle-ci. Eh, j'ai fait! C'est quoi ta flèche du bas? L'œil. C'est pour faire des captures, pour indiquer sur la map quelque chose. Donc c'est inutile en combat, a priori. Un peu, ouais. Ça en fait de l'attaque rouge. Ah, ça c'est que de la rouge, quand est-ce que tu vas pouvoir faire une attaque pour le contrer? Je suis trop rapide. Ah. Ah, lui aussi. Ah ok, à ce moment-là, faut pas trop faire le malin à ce moment-là. Est-ce que c'est sans jeu? Non. Oh, alors là, en plus c'était jaune. C'est dommage. Super cinématique. Est-ce que quoi? Est-ce que c'est un hack and slash? Bah moi je pense pas. Enfin, c'est pas ça. Hein. Non, je crois pas. Mais. Metroidvania, ça c'est sûr. Ça s'est vérifié sur 10 000 trucs. Je trouve ça d'ailleurs très bien qu'ils aient fait un Metroidvania. Quoi, Vania? Parce que ça ressemble à Metroid et Castlevania. C'est vrai? C'est pas une blague. Aïe. C'est bien ça, non? C'est, on donne un nom à cette catégorie de jeu? Ouais. Oh, oh non, mais je sais pas à quel moment il tape en fait. Putain, casse les couilles. Je suis. Peut-être mort. Oh, il m'a évité! Bah, non, là c'est. Là, soin, soin, soin! Soin! Ah, j'ai du soin! Oh! Oh, dommage, c'est les autres. En fait, à quel moment j'évite ça, putain? J'appuie, mais à quel moment? Allez, je peux le tuer là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Un hack and slash, il y a des hordes de monstres. Ok. Ok. C'est un quart. Trouvez les 4 pétales de l'arbre sombre pour augmenter la santé maximum. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça se mange, c'est bon. Ça c'est grave. C'est tellement une blague des origines ça. Attends. Merci Maldoror pour les 10 subs. Merci Maldo. Disparu. C'est un callback. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de merde? Gros champignon. Oh ouais. Qu'est-ce? C'est quoi ça? Ah, je sens qu'il va avoir des déplacements et des attaques trop bizarres. Pour m'emmerder. Attention, ça se rétracte. Dans la forêt. Ouais, nouvelle zone. Hein. Oh, il drop des. Ouais, ah! Oh putain, le saut. Ce qu'il m'a mis. Voilà. Allez, faut dégager là. Ah, c'est vrai que ça donne envie d'avoir un dash ou un truc dans les airs. Hein. Là, je me sens démuni. Quand je fais un petit saut de merde. Donc, là. Sûr à certain qu'il n'y a pas de dash là. Franchement, non. Hein. Ah. Bonjour.
Bonjour. Oula. C'est la première fois Bonjour. Que je croise un arbre Wakwak. J'en ai déjà rencontré sur mon chemin. Non, non, je ne suis pas un arbre Wakwak. Il y a beaucoup d'arbres Wakwak dans Arrêtez la cité. Arrêtez de dire Wakwak. Elles peuvent c'est, aussi c'est, on dirait des skibidi toilettes, mais version Wakwak. Ces arbres sont là depuis toujours. Leurs racines sont profondes. Mais la forêt traverse. Tiens. Putain, encore un truc différent. Créer une explosion et une zone de soins qui permet de récupérer progressivement la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés. LT plus Y. Oh là là là, qu'est-ce que jamais pensé à le faire. Qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous me dites là? Ah, c'est comme mon ulti, et pourtant, mais... c'est pratique, hein. Bah ouais, c'est comme mon ulti, mais avec Y. D'accord. Super. Planète. Attends. Non, ça c'est et mieux. Tu vas ouais, mais tout bah, est équipé. Tout, non, non. Quoi, j'ai 3 places restantes. J'ai 3 emplacements. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas du tout symétrique. Non, c'est les 3 points en bas qui valent. Ah ok, genre tu pourras en avoir d'autres plus tard. Oui, après je pense que oui. J'espère. Éclat. Oui, ça c'est ça. D'accord, au revoir. Pour l'instant, le piaf, que ça fait rien. Ah, c'est vrai que je l'écoute pas, le piaf. Peut-être que des fois il me dit des trucs, mais je l'écoute pas. Ah, la gueule là, la gueule, y'a ouais. Un truc non? Cucuit là! Allez, cucuit là! C'est là. C'est quoi ça? C'est quelque chose, mais c'est quoi? Ouais, on dirait pas qu'il y a quelque chose. Et pourtant, pourquoi on pourrait aller ici? Et pourtant, c'est bizarre. Eh là, non, j'aime pas trop ça. Y'a un truc. Ouais, t'as vu, c'est là qu'est. Ouais, ça gueule au même endroit. Là, là, le trou. Genre le fin trou, y'a un truc à faire. Ah, ça fait chier, je trouve. Tu vois? Là, là, tu peux passer? Tu vois? Ah, ça fait trop chier. Je suis sûr qu'il y a un pouvoir où tu peux passer dans les petits trous. Mais merde! Merde à la fin! Pourtant, j'ai tenté une glissade. Hein. Ouais, je me prends le mur dans la gueule. Dommage. Oh. Arrête de faire cucu si c'est pour de la merde, hein. Ah. Ah, méchant. Non, c'est trop petit pour combattre. Ça me fout dans la gueule. C'est bon. Voilà. On s'est déjà rencontré. Mmh. Tu le sens? Une tout au mon café maudit. Maudit. Je ne reconnais pas ton armure. Nous avons traversé le roi Darius, le palais. Abrège. Si long. On verra. On ce retrouve mon frère. Ok, si je trouve son frère, il nous offre un truc. Oui. Ouais, oui. Pas de problème. Mais c'est de la secondaire, donc c'est pas grave. Oui. Ça se rend chemin, ça. Oh non. Oh le chien. Cuit-cuit, cuit-cuit. C'est plus. Je préfère faire une glissade. Non, mais non, ça, c'était pour les losers qui perdaient justement. Je suis pas un loser. Putain, les flèches là, les flèches, ça on veut les flèches. Encore un arbre. Putain, j'ai dû rusher la section du coup. D'accord, mais par pitié. The Beach of Time. The Beach. Ah, je peux t'assurer que The Beach, à mon avis, ça met du temps à arriver. Ça doit être un pouvoir ultra OP que tu trouves. Ouais, mais c'est toute l'essence du prince de Perse. Ah, bah c'est ce qu'on attend du prince de Perse. Sinon, c'est qui ce mec? Attends. C'est un loser, c'est ni plus ni moins qu'un loser. Ouais, c'est un mec avec deux grands couteaux, sinon. Je crois même bien qu'à un moment il y aura un pouvoir aimanté où je récupérerai les ressources sans devoir aller dessus aussi. Ah, s'il n'y a pas un trésor, je vais mettre un peu. Mais au top, au top! Tu te souviens du film Prince of Persia? Alors non. Ah. Mais je dirais que ça a été une catastrophe, je sais pas pourquoi. Ah si, si, un peu, si. Tu te souviens de qui faisait le prince de Perse? Putain, non, mais franchement, j'ai comme un mauvais souvenir, j'ai comme un mauvais pressentiment quand tu m'en parles.
C'était Jack Gyllenhaal. Quoi? Ouais. Putain, mais le casting de fou, bon, pourquoi? Bah, le père sans question. Mais pourquoi on fait ça? Bon bah, le roi du Gabon, Tom Holland. Trop bizarre. L'idée de merde. Eh oh 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 oh. Ya. Oui bah ça a l'air pousse vachement. Oui d'accord, ça a l'air pousse sur le coup, mais après tu te fais baiser. Ça a l'air pousse. Oui mais c'est pour te heal. Ouais ouais bah ça va être dans le cercle et ça te heal. Ouais et bah je suis, regarde comme j'ai été heal un peu. Avec tous les coups qu'ils m'ont mis, ça va. Ouais. Sinon je serais mort. En bas il y a quelque chose. Et je viens d'en bas. C'est une cave gueule pas, y'a rien. Ah non. Les mines. Port noyé. Mais je vais trop profondément. Avec trop d'avidité, tu fais beaucoup trop de références. C'est la référence de fou. Moi, comme on le voit, écrit très mal. Et vous appelez ça une mine. C'est pas du même film ça par ailleurs. On avait plein de comme ça. Fragments de mémoire, augmente le nombre de fragments de mémoire. Comment c'est nul. Comment c'est trop nul. Trop déçu. Ah bon? Ah comment? Ok. Ah oui mais. Ah ouais. Alors. Mais. Ah putain. Ah ouais, alors les bâtards. Comment faire? Les bâtards. Comment tu fais? Avec. Bah c'est. Eh bah, c'est une énigme à toute épreuve ça. C'est ni plus ni moins perdu, je pense. Il me faudra un arc ou quelque chose pour tirer dessus peut-être ou. Ou un truc pour me dédoubler ou. Ah. Tant pis pour le port noyé. J'ai oublié comment il s'appelait le boss. Alors moi aussi. Zazata. Azazat. Ouais Zaza Ok, tu vois, quand t'as un truc qui ressemble plus ou moins à Zaza Là-dedans je peux glisser. Mais oui, t'as l'air parce que t'as un sol. Ouais. Azaza. Vous êtes Azaza? C'est un sanglier. Oh c'est un sanglier ça. Vous avez pas de nom vous? Je vais me faire défoncer la gueule. Ah! Ah! Malin! Mais c'est qu'il a de la ressource en fait! Il est pas bête! Non, bah! Ah. Je pouvais parer par contre son truc, non? Bah, est-ce que c'est rouge? Je crois que. Là, c'est rouge. Ouais, là, c'est rouge. Oh, c'est rouge, c'est ça. Super. Attention, petit soin. Vite. Oh! Là, il. Allez, on profite, on profite, on profite, on profite. Pas trop quand même. Pas de gourmandise. Ça va se passer tout seul, ça. Ouais, c'est comme ça. Je garde mon truc pour me heal. Putain, c'est pas mal. Ah c'est ça. Un jambon de Bayonne. Ça doit être super bon, le sanglier. C'est sûr. Moi, je pense que une viande forte, j'en ai jamais mangé, mais je ouais, ça doit être un peu fort. Ça doit être un peu vénère. Mais à tester. Un saucisson de sanglier à tester. Il crache ta. Alors, merde. Il y a beaucoup de gens qui ont dit à quel point c'était bon sanglier. Oh là là. Il y a un mur de gens qui ont dit à quel point c'était bon sanglier. Ça y est, c'est devenu mon objectif là. Il m'a échauffé. Non, j'y vais trop tôt. Allez, t'as gagné, t'as tout gagné. Bon bah c'est pas très impressionnant. Ouais, c'était nul. Mauvais choix. On fout. Moi je me super pas de vie. Allez, dehors. Un emblème. Double saut. Non mais en mode tu vas l'avoir comme ça. Convertis une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. On ronfle. Bah, et toi qui te prends souvent des coups parce que t'arrives pas à parer, c'est quand même un avantage. C'est pas gentil. C'est une simple remarque, mais c'est pas gentil. Eh, hey, l'arc là, c'est quand l'arc aussi?
Il y a tellement de choses à faire avec l'arc. Oh, il y a un arc. Bah c'est bon. Ah bah voilà. Et voilà, et on a plus qu'à retourner en arrière et faire tous les trucs d'arc. Mais c'est moi. L'arc de Ménolias. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis pas que c'est pas normal d'avoir un double de lui par terre. C'est Ménolias. Par terre? Non, c'est pas Ménolias. Bah c'était genre lui. Y pour tirer une flèche. Elles sont limitées. Ah non, elles sont... Oh, non, elles sont pas limitées. Ah, je oh, te l'avais dit. Je regardais pas. Je crois qu'il y avait des carquois de rechargement. Ah, je regardais pas en bas à gauche. C'est rempli. Ouais, mais alors c'est rempli. Ouais, je... Ah non, c'est bon, en fait. Ah ouais, je peux c'est re-remplir rempli, après. Je peux en reprendre. Voilà. Ah. Oh. Et du coup, attends, c'est chiant parce que du coup... Non, à mon avis, tu peux tirer... Ah, tu peux viser avant de tirer. Bah ouais, c'est ce que je me demande, tu vois, parce que... Mais c'est sûr. C'est avec mon... Tu vois Ah, j'aime pas trop ça, attention, parce que diagonale gauche... Je suis sûr que tu peux. Diagonale gauche, tu vois, hop, tu vas un peu trop loin, ça te fait avancer. T'es sûr que je peux? Moi, je suis sûr que je peux pas. Ouais. Les oiseaux de malheur! Je défonce pas tout. Non, c'est pas ce que je fais. J'aurais dû aller tout à droite. Je pense que j'aurais dû aller tout à droite. Sinon, donc je le regretterais. C'est la suite. En tout cas, il y a le trésor à droite. Ouais. Et un arbre. Un arbre encore. Bien fait de venir. Ouais, ça recharge les flèches en plus. Bon, ton pouvoir à la con là. Attends, ça vraiment, tu penses que... Alors que je peux augmenter ma santé maximum. Ok. Et le piaf, on s'en bat les couilles du piaf en vrai. Le piaf il est gratuit. Oui mais regarde, retire-le. Ouais, mais il est gratuit. Et mets l'autre à la place. Bah non, je peux pas parce qu'il prend un point et celui-là est gratuit. Ah, tu veux dire qu'il est gratuit dans le sens... Il... Ok. Le piaf est totalement gratuit. Ouais, il est free, ok, je vois. C'est un ami. On est pas ça comme ça. Il est pas là pour l'argent. Rod, on a été séparés. C'est... Vous l'êtes. Qu'est-ce que c'était? Une de ces créatures qui n'a pas le courage de se montrer. Où est-ce qu'elle se... Bonne chance à toi. Ça fait quoi d'apprendre que c'était la fin d'une autre? Attends, tu dis ça comme ça là. Ils ont annoncé la fin du lot? Je ne t'apprends pas la nouvelle quand même. Mais si. J'étais absolument pas au courant. Quoi? La Midado et l'Lot. Mais le Lot avec tous les goats. Mais le Lot rempli de goats. Oh non, et quelles sont les raisons évoquées? Ils se détestent. Je crois que seulement c'était... Ils se haïssent depuis le début. Je crois que c'est un genre de truc en mode batté, chacun a sa propre vision des choses, donc... Chacun se déteste. Chacun... on y revient. Il y a toujours ce petit goût. Hein. Fin du bail. Non mais c'est ça. Non, je crois que la raison, c'était parce que voilà, ils évoluent, ils ont envie de faire chacun évolue voilà. Avec des idées différentes, des envies différentes, donc logique. C'est plus. En vrai, logique. Mais bon. Les gens qui me disent bah c'est la fin administrative du bail, du coup ils arrêtent le projet l'autre. C'était de ma gueule ou quoi là? Non, c'est pour des raisons tout à fait administratives, rien d'autre. Ah non, mais il y avait pas de. Ça fait quand même beaucoup de nouvelles, ce que tu penses. Vilebrequin, mort. Là-haut, mort. C'est quand même. Ça fait réfléchir quand même. C'est un milieu qui. Assez éphémère. Rien de dur. Profitez de tout. Car tout peut disparaître. C'est leur explication mot pour mot du bail. Mais... Attends.
tu vas pas me faire croire. Si vous voulez continuer le projet et que c'est la fin du bail, bah soit ils renouvellent le bail, soit ils font ailleurs. Mais ils vont. Enfin. Mais si l'incal, c'est parce que c'était la fin de son. Le bail de son local. Dans le lot. Ok. Bon. Dommage, bon bah, que les bails s'arrêtent quoi. On a bien fait de pas prendre un local, sinon mon kill serait arrêté. Heureusement qu'on a vous imaginez. Oh, quelle naïveté. Non. Putain, y a le pauvre, il est pas au courant, il a dit. Mais du coup, c'est quoi le l'autre? Mais le l'autre, il a écrit LAUTE. Alors lui, il est pas du tout. C'est la lotte, le poisson là. J'ai rien compris moi. Quoi, vous arrêtez d'en manger, bah c'est bien, ça fait moi le poisson à pêche. Vous mangez une lotte. Mais vous commencez toujours avec le cola d'Alaska, c'est bon ça. C'est pareil, hein. Moi je sais. Hein. Ah oui, ça vise un peu, ça va. Ah! Attention! Toujours pas de ta... J'allais dire de t'habiller. Toujours pas de t'habiller pour cuisiner? Non, toujours pas, je... De? Ah, de s'habiller, non. On espère, hein. Mais non, ouais. Mais... C'est sûr. Je sais pas, pour moi... Oh, le bâtard! Oh là. Il est chaud. Non mais c'est sûr qu'il y a, mais pour moi malheureusement ce sera un pouvoir. Non, ça sera quand même un pouvoir principal comme l'arc. Je n'ai jamais joué, si ce n'est de temps en temps quand j'allais chez mon pote petit, après de se faire ça. Est-ce que les sables du temps tu les avais dès le début du jeu? Oh assez vite. Ah ouais, ils avaient tout fait dessus. C'était vraiment l'argument massue du jeu quoi, c'était waouh. C'était un peu. C'était un... Après Matrix, c'était une période où quand tu pouvais faire ça dans les jeux, les gens ils étaient vraiment en mode c'est le jeu de l'année, vous avez vu comment on peut revenir en arrière. C'est fou. T'avais joué à Hunters the Matrix? Non. Putain. Pourquoi tu veux revenir en arrière? Ouais, tu pouvais stopper le temps et marcher sur les murs et tout et aller au ralenti. C'était. Ok, gosse, ça aurait été stylé de jouer à ça. C'était un peu fou comme, comme truc. Wow. Non, excuse-moi, je joue aux Lemmings. Oui, c'est mieux, c'est cool. Je suis confus. Bah, il est coincé là. Je suis confus sur ce que j'ai à faire. Oh, ça passe. Ta gueule, l'oiseau! Ta gueule! Attends, ferme pas trop ta gueule quand même, qu'est-ce que... Ouais, y'a quelque chose là-haut. Ah, mais genre le truc doré, ouais. Mais je suis trop con. Hein. Enfin, moi perso, bah, j'avais pas compris. J'espère que t'avais pas compris. Bah que les feuilles... Bah les feuilles, elles mènent aux arbres, quoi. Ah, j'avais pas compris, pour moi, elles menaient au trésor. Voilà, elles mènent à des arbres. Bon, c'est bon, je suis... Okay. Ça va mieux. Ouais, mais, hey, non mais attends. Chemin doré dans un jeu vidéo égale, ouais. Égale trésor. Ouais, je suis d'accord. Mais mine de rien, c'est quand même assez logique. Bah, maintenant qu'il y a des feuilles qui volent, je me dis effectivement. Mais c'est bien, maintenant quand j'ai besoin de me heal ou que je suis dans la merde, je sais que je dois suivre les feuilles, c'est bien. Ah. Ah. Alors, mais comment s'en sortir de ça? Ah, dommage. Ça m'a l'air d'être mais non, mais peux... En fait, oui, c'est un truc magique. Je pense que c'est une impasse. C'est bien trop magique. Là, tant que t'auras pas le pouvoir pour passer, c'est mort. Ouais, non, c'est trop magique. Recharge mes flèches. Chaque... Comment il s'appelle là? Quack quack. Ah oui, putain. T'as vu l'herbe, elle a poussé quand je suis rentré. Vous? Oh! Putain, c'est une remarque négative faite aux développeurs? Oh, c'est une remarque tout court. Très neutre.
Belle attaque. Là j'ai pas vu. Bon, bah, t'as pas fait. C'est juste que j'arrête pas de faire ça parce que c'est très cool. Tu l'as cancel son attaque dans les airs pendant que lui-même était dans les airs. Ah oui, 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 c'est ce que j'ai fait, mais bon, ça c'est... J'ai pas pris la peine d'y réfléchir, parce que ça se fait tout seul, quoi. Ah ! Et une fois que t'es là-haut ? Eh ben, je ne sais pas. C'est géant, hein. Putain, on loupe plein de trucs depuis tout à l'heure, mais bon, c'est normal. C'est le jeu qui veut ça. Allez, allez, c'est bon. Allez, toi, vraiment... Toi, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de t'écouter, toi. Ah, c'est pas lui qui était censé être un peu marrant ? Mon arc a une double fonction. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Oh, il est marrant. Pourquoi ? Parce qu'il a tourné Sharp. Ah. Ah bon ? J'ai pas vu. Une écharpe rouge ? Là, l'écharpe rouge. Ah waouh ! C'est moi. Une arme à essence qui revient à ça. Une fois lancée. Ok, c'est un boomerang quoi. Ah, maintenant je peux viser ! Tu fais depuis le début avec l'arc. Ouais, ok, après c'est pas pareil. Putain, mais j'ai maintenant deux armes. Putain, mais c'est trop bien ça. Sauf que celle-ci, elle revient. Mais c'est trop bien. Ça rebondit en plus. Ah oui, ok. Ah bah là, tu peux peut-être t'en servir pour passer à travers les barreaux. Wouah, ouais, ah, ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ça, tu peux répéter le chou. Ouais, ok. D'accord. Et ouais, c'est ouvert. Mais c'est génial ça. Oh là là, génial. Que de nouvelles mécaniques hein. Tout le temps, tous les quarts d'heure une mécanique quoi. Et bientôt les sables du temps. Ça je pense qu'on peut. Je déconne. Un arbre, comme par hasard. Ah, au sol, à droite. Merci pour ça. Oh, collection. Chasseur. Ah, par exemple, là, il faut tout simplement un double saut. Hein. Pas de secret. C'est comme ça, c'est tout. Tu l'as pas, hein. Non, mais c'est comme ça. Ah, un peu de combat. Ça faisait longtemps. Maintenant, ça, c'est ridicule. Ah non, je sais faire ça. Oh, un tonneau explosif. Ah, un tonneau explosif. J'allais faire mon ulti et j'étais pas au sol, du coup j'ai pas pu le faire. Oui. Une remarque ? J'ai rien dit. Ok. En même temps, je me suis bien justifié et ma remarque était... C'était pour ça que j'avais plus rien à dire. Ouais. Allez, allez, vous niquez. Pardon. C'est vrai, j'ai l'occasion de faire une belle action. Ouais, mais t'as vu, j'ai glissé sous la. C'est. Waouh. Oh, ils ont fait un ping-pong avec ton corps. Ils sont trop forts. Waouh. Citez-moi un meilleur duo que ces deux-là, hein. Franchement. McFly et Carlito. Ouais, c'est vrai. Putain, j'en ai marre. Je veux plus me battre dans le jeu. Broc, hein. Ah. Putain, mais j'ai pas mon ulti, je regarde pas. Allez, allez, je me concentre. Oh là 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 là. Je me concentre. Je me concentre, c'est bon. Ah, la foutre. Ah ouais, mais quand il revient. Ah ouais, quand ça revient, ah bah il est plus proche. T'es con toi. T'es con toi. Ça fait très peu de dégâts quoi. Eh vas-y, lui, le problème c'est lui. Eh vas-y, c'est trop. Mais c'est trop. Je vais péter un câble, c'est sûr. Ah. J'ai pété un plomb, putain, c'est sûr. Et ah, trop tôt, trop tard, tout le temps, on sait pas. Putain. Et lui, ça y est, il va me baiser dans un coin là. Comme d'hab. Il est trop fort lui.
Ah, j'ai cassé son bouclier. Voilà. Attends. Ah oui, non, mais, Terra veut pas jouer, mais bon. ça fait très longtemps que je l'aurais laissé jouer si je pouvais. Croyez-moi bien. Ah, ce serait fait depuis très longtemps. Oh, c'est un grand. La merde. Il y a pas honte de honte à faire start et de baisser le niveau de difficulté pour prendre la difficulté. jamais, tu m'entends? Allez, t'es une merde. Voilà, t'es une merde. Oh, il y en a deux, t'es comme ça en fait. Gladiateurs, des lutteurs. Mais quelle violence. Est-ce que ça sert à un truc que je les batte de toute façon? Bah. Peut-être. Là, je dirais que non, en vrai, à part te filer des petits gemmes, je vois pas. Ah si, peut-être que si tu bats les deux gros, ça va te débloquer un truc en mode. Bah. Non, c'est vraiment ton. Hop là! Alors les connards! Ah donc tu veux pas le faire? Ouais. Baille le prince de Perse. C'est insupportable, tu fais ça. Oh! Ouais, tu dois se faire là. Ça va peut-être ouvrir cette grille quand je vais les battre. C'est bon, ça verra. Tiens, connard. Oh non, t'as plus rien. Tiens, les connards là. Oh, mais là j'ai esquivé et tout quoi. Trop de soi. Ouais, mais trop tard. Trop. Je te jure que. J'ai échoué au jeu, voilà. Fin du jeu pour moi, j'ai échoué. J'ai atteint mon niveau maximal. Après, je t'avais dit, mets pas de niveau difficulté max, tu vas galérer au bout d'un moment. Okay. T'en sais qu'à ta tête. Ah oui, les boucliers explosent, effectivement. Mais oui. Ah bah, je suis pas con non plus, hein. Je suis vraiment excellent, c'est juste que j'ai pas de chance. Ah, tu peux lui faire une super attaque si tu prends les deux en brochette. D'accord. Ils sont morts. Ils sont littéralement morts. Je l'ai fait! Oh, dommage! Je l'ai fait! Oh, c'était donné là. Je suis déçu! Je me dis pas que ça n'a rien fait. Est-ce que tu glisses en dessous là? Oh oui! Oui! Oh là là! Ah, oui. Alors! Ça fait plaisir ça. Amulette. Augmente la capacité de port d'amulette de 1. C'est donc génial. Tu veux attaquer en trop. Ah, ça me le propose en plus. Et ben voilà. Dans mon cul. Ça, c'est fort. Très fort ce qu'on a eu là. C'est presque aussi bien que les sables du temps. C'est comme les sables du temps, mais sans les sables. Et ta vie? Ça va très bien ma vie. Ok. Ouais, le dernier arbre. Il était proche, je vais mourir. Mais sauve toi, t'as pas de vide. Mais ouais, mais bon, est-ce que ça vaut bien le coup? Je vais la gâcher. Bah quand tu vas mourir, ouais. Je la gâche. Ouais, t'avais un arbre juste à côté du coup là. Tu gâches. Ouais voilà, tu gâches. Et c'est pas grave, ça me redonne. T'avais demandé de descendre. Ça me redonne ma potion. Ah mais je connais ici. Je suis revenu en arrière. Je suis complètement revenu en arrière. Toi t'es un connard. Toi, je t'avais tué, pourquoi tu reviens? Et quand tu changes de pièce apparemment ils reviennent juste hein. Oui. Il a été développé par des Français celui-là ou pas? Oui. Tu dis oui avec un point d'interrogation ou. Oui, non, je. Oui. Oui, Montpellier. D'accord. Ah, bravo, j'ai... Montpellier. J'avais dit au hasard. C'est Serator qui l'a fait. Dwarf qui fait Saint-Fertia, voilà. Voilà. Pourquoi vous dites amulette? Ah, équiper l'amulette.
Vous êtes pas con. Tu l'as pas équipé? Non. Pourquoi? Parce que j'ai oublié. Allez, nous faire en cul. Tu peux juste attendre, hein. Oui, je... Voilà, patience. C'est bon. Ah, mais c'est en dessous. Sans double saut, C'est en dessous pour l'arbre. Mais oui, mais c'est là où tu étais tout à l'heure. Bah je sais, mais je reviens à l'arbre pour mettre l'amulette. Ah, c'est important. Oh, ça, si, hein, oui. Ça, c'est bien. À quel endroit j'étais bloqué à cause des flèches? Eh ben, on sait plus. Et ça, c'est bien dommage. Je sais pas si t'étais vraiment bloqué, je pense qu'il y avait des trucs à faire. Bloqué à cause des flèches? Bah ça a pu venir. Ça, y a peut-être une zone que ça aurait pu mourir. Ah non, pas toi. Non. Non, toi ça me dit rien, vraiment. Toi t'as un truc à me. Ah, je savais qu'il y avait des. Porte-amulette. C'est tout. Protège c'est un le porteur. Porte-amulette quand même. Empoisonnement, on s'en fout. Un pétale. Amélioration. Oui, c'est amélioration. Potion supplémentaire. Oh. Bah oui. Oui, bah oui. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Achat de nul, mais achat utile. Ah, ça c'est pas mal aussi la vieille. Bah non, parce que quand chaque fois que tu tues, ça te donne full life. Ouais. Pardon, mais. Vente à la con la vieille. Eh ? C'est quoi ça ? Y'avait pas ça tout à l'heure ? Eh ! La forge de Kaeva. Eh, Kaeva ! Tiens, un mortel. Ce que tu cherches est hors de ta portée. Ça marche. Tu me connais ? Je suis Sargon. Vous verrez les dialogues dans votre propre partie, bien sûr. De temps en temps. Je ne savais pas. C'est gentil de protéger les gens du spoil. Moi, je ne veux pas qu'ils gâchent leur plaisir. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quel quoi ? Forge. Chauffé du verre. Il a fait un sablier. Le casse-couille. Ah bon ? Acheter. Ah bah si on avait su, on a peut-être pas dépensé dans double... Augmente les dégâts des flèches. Non, ça en faut où ? Réduflement la puissance des attaques de mêlée adverse. Énorme. Attire les cristaux de temps à distance. J'avais dit un truc aimanté comme ça. Ah bah l'amélioration, ça c'est vénère par contre. Petite augmentation des dégâts des épées. Oh là 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 là, tout est trop bien, putain. C'est super, mais j'ai pas d'argent. Ah, c'est de la super couille par contre. Hein. Je doute qu'un ça coûte cher. Non, en effet. Dans les flammes, crois ma. Trouve-le. Ça marche. Et bah, merci pour tout. Ça, j'irai pas, ça a l'air d'être de la couille. Bah, tu veux pas essayer sur la plateforme? Bah, aller dessus au moins, voir si c'est solide. Merci, hein. Merci, hein. Franchement. Bah comme ça on est fixé. Non mais franchement il a ruiné la game. Je vais aller à gauche. Non, t'y as été. Mais je peux pas descendre. Non, c'est pas proposé. Pas proposé mais attends, tu vois bien que... Ouais, on dirait, mais... Ouais. Pas ouais proposé. Ah ouais. Ah y'a un truc à faire là, allez haut. Oui mais attends, c'est... Y'a pas... Là vers le haut. Non. Moi je crois que j'aurais tiré une flèche pile poil en hauteur entre les deux statues. Comme si t'indiquais... Sur, sur le plafond. Là, sur le plafond ouais. Là, comme ça. Ouais ouais. Franchement... Attends, par contre... D'accord. Et pourquoi il mettrait des flèches ici? Ah bah parce que c'était là, oui. C'est super. On était bloqué ici. Super. Aïe. Ouais, j'ai complètement zappé ça, parce que l'histoire c'est quand même de dire bah là on est bloqué. Et ouais, et là peut-être qu'on va arriver au fameux boss Azazat
qu'on a pas le droit de vous... Azazel. Qu'on a pas le droit de vous... On peut vous le montrer, mais on peut pas le dépasser, je pense. C'est maintenant sur Azazel ? Non. Azazel ? Attends. Ouais, c'est pas maintenant, je pense. Ça va être bien au bout de plusieurs heures de jeu. Ah, faut voir, hein. On a rushé un peu le truc. En tout cas, ça va être un gros boss. Je cours parce que ma manette vibre, donc j'ai très peur. Ok. Êtes-vous prêt? Oui. Je vais mourir 40 fois. Oh, la reine et tout. Oh, la grosse commande. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir. Oh putain, merci. Je l'ai même pas vu passer, merde. Ah ouais, ouais, ouais. Oh putain. Non, lui, il va s'appeler Scorpion, ou un truc comme ça. Mais il est terrifiant. Ta vie s'arrête ici. Vous êtes Zezette? Vous êtes pas ZZ? Non. C'est bon, c'est pas lui. C'est Tarandar. J'ai déjà entendu ça. Mais c'est une créature démoniaque, Et merci Yohan pour ta commande. Parce que je vais rechercher ton. Entre les jambes. Bon là, je vais mourir une fois, mais c'est juste que j'ai besoin de connaître ses attaques. Comment ça va être long? Ouh, enfoiré! Comment je l'ai baisé? Tu m'as rien dit. C'est bien. Allô? T'es encore sur. Ouais, tu me regardes. Je me demandais si t'avais pas bugué parce que tu m'as pas. tu m'as pas félicité. Ult, pas encore. Fais gaffe, ça va pas tomber dans la flaque de 10. Tu es mortel. Il va t'envoyer la des sbires. La mort est ton destin. Je crois que t'as raison. Bon, bah non. Bon, il voulait juste dire quelque chose. Ah. Ouais, ça devient complexe quand même, cette histoire. Ah bon. Là, c'est trop. Arrêtez. Oh, une flèche. Tiens. Oui. Oh. Ah non, ça, voilà, je dirais que c'est impressionnant comme d'hab, mais en fait c'est vraiment... Ah, c'est claqué parce que tu dois rester dessus et... Ah ouais, mais tu peux voir le beurre et la fin du beurre. Ouais. Ça c'est vraiment facile. Pour le coup là, il s'est donné. Il le donne. Oh. Ah, c'est bien joué. 3 va être horrible. Ah, pas assez loin. Attention. Dommage. Ah, j'ai plus de flèches. Ah oui, mais tu as le boomerang. Oh ouais. Ouais, j'ai le boomerang, mais... Putain, fais chier. Elle m'emmerde, sa boule. Arrête. La caméra. Ouais, non. Est-ce que tu fais beaucoup de dégâts avec ça, en plus? Je sais pas. Ah bah, visiblement, pas trop, hein. Attention, il arrive à zéro. Oh. Allez. Je vais lui mettre un ulti classique dans sa gueule. Il va pas kiffer. Misérable mortel, on a vu ses liens. Oh merde. Putain. Bah. Oh non, c'est la mauvaise touche. Bah ouais, c'est toujours de l'île. Oh là. Non la... Oh, mauvaise touche. Ah. Ah, c'est... Ça se passe mal.
Attention. Pitié. Ouh là là, ça pique, ça pique, ça pique. Le soin, attention le soin. Par pitié. Oh, dommage de mourir maintenant alors que c'est quasiment fini. Ah crève. Je vais mourir. Oh là, une barre de vie. Même moins. Une demi-barre de vie. Ça va être chaud. Je vais faire profiter de son stun. Hein. Ça ne va pas suffire. Non, mais là t'as un petit ulti vert, ouais. Ah, d'huile. Ah, là il m'en faut là. Et puis reste bien dans la boucle là. Non, non, pas sur moi. Ah, c'est pas grave, retourne 10 vite. Ouais, là je peux pas là. Oh là là oh, là. Oh la merde. Oh, là c'est compliqué hein. Ah, il est malin. Sa boule démoniaque là. Il reste oh. Que dalle, franchement, il reste que dalle de vie. Ta boule de merde. Au but, t'auras jamais le temps de la détruire avant que ce soit la fin. Oh non, oh non. Non, pas ça. Dedans. Pas ça. Ouh. Oh là. Rouge. Oh là, c'est. Ah, ça crispe, hein. Ça on est un peu. Crisp. C'est une situation. Oh oui. Somme toute. Pas évidente. C'est maintenant. Vite. Ah. Oui. Ça c'est un combat de titan. Waouh. Non, c'est cher. Terrassé. Et là ça va me donner une barre de vie ou un truc comme ça. Ouais. Putain. Attends. Ça me l'a donné une barre de vie que j'avais déjà là, non? Non, elle était jaune avant. Ah, parce top. Que t'avais un petit bonus d'amulette. Ah, ok, maintenant, maintenant elle est rouge, c'est cool. Trop bien. Oh, qu'est-ce que. Wow. La plume du temps. Ça y est, c'est la mécanique du temps. Ça fait mal. Tu vas te laisser, tu vas en faire double saut. Comme une pub. Oh putain, oui. Ouais, regarde ma chaussure. Exploite les pouvoirs du cyborg pour courber l'espace et se déplacer dans les airs. J'ai un dash. C'est ça, du coup. Oui. Oh, tu peux même marcher sur des murs invisibles. Oui. Attends. Oui. Regarde. Stylé. En vrai. Bon. C'est pas les sables du temps, mais c'est un peu utile quand même. Oh, c'est utile. Ouais. On est pas encore au sable. Oh ouais. Vous allez être super pratique pour plein de trucs ça. Merci à l'anonyme qui a offert 5 subs. Je comprendrai jamais pourquoi anonyme, rester anonyme. C'est vraiment un mystère hein. J'ai trop envie de le remercier mais du coup je le remercie pas, c'est fou. Ouais, là j'ai 5 barres de vie, c'est beau. Je suis content de mes amulettes, ouais je suis content de mes amulettes, je peux pas faire mieux. Et j'ai combien de thunes? 575. Moi je trouve que le jeu est un petit classique pour les amateurs de Metroidvania. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Arrête avec ton expression à la con. Mais c'est pas du tout une expression, c'est littéralement le. Ah. Quelle carte? La carte de la zone. Et genre on aura toutes les infos surtout. La basse citadelle uniquement. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter. Allez hop. Je le fais pour voir. Ouais, ok, ok, ok. Et donc effectivement, tu vois, on peut descendre avec l'ascenseur, mais comment? Mais comment? Ok, là au moins on voit ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire énormément de choses. Je suis où? Bah, là où il y a la flamme bleue, juste au-dessus. Ok. Je sais pas, il y a beaucoup d'icônes. T'as toute cette zone là, là. Je vais aller là, ouais. Là, là. Tout ça ici. Je vais aller qui là. Qui mène à un énorme temple. Il a réfléchi comme s'il dépensait son propre argent, le pingre. Le pingre. Carrément. Le bâtard. Il m'a traité de pingre.
tout là. On va, tu crois qu'on pourra rentrer dans la petite fente dans laquelle on pouvait pas rentrer, qui est en hauteur. T'es bien. Waouh. Voilà. Attention. Oh, putain. Ah, du sable. Ça te fait penser à un truc. Le sable du temps donné au prince de Perse. Là, c'est, oh, c'est infaisable sans ce tellement pouvoir. Bien. Tellement bien d'avoir ça. Et voilà, tout ça là. Ça devient fluide et tout. C'est excellent. C'est beaucoup plus. Tu vois, hop là. C'est tellement plus logique. Tellement bien. Et le Piaf, c'est toujours un mystère. Pourquoi il gueule? Bah, il gueule, il y a un trésor, mais bon. On les voit jamais, ces trésors à la con. Sois plus explicite, le Piaf. Ah, c'est agréable de voir marcher sur les murs invisibles. Là, les plateformes, c'est quand même plus agréable. Pourquoi tu redescends? Parce que je voulais voir à droite s'il y avait quelque chose. Et toi, pourquoi tu redescends? Je vois. Je te demande, moi, pourquoi tu redescends. On a encore du chemin à faire. Attendez! Je crois. Anaïta! Occupez-vous de lui! Oh non! Je me suis assez battu. La vérité, c'est que. C'est pas une traître. C'est qu'elle juste. Elle peut pas nous dire la vérité pour l'instant. Ah d'accord. Pourquoi tu la protèges? T'es avec elle? Toi, t'es contre elle? Ouais. Ah! Alors en garde! Ah là, tu peux faire une brochette avec ton pouvoir là. En plus t'es au niveau 2 max. J'ai pas mon pouvoir. Bah si, il est même chargé au niveau 2. Pourquoi ça le fait pas alors? Oh non. Et tu peux encore le refaire. Ah oui, viens m'aider. Là ça va le coup. Ah oui d'accord, viens. Ouais, je pense malheureusement ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. Non, je pense que ça fait une barre de vie. Après ça doit pouvoir s'améliorer avec des amulettes. Tu peux peut-être faire un gameplay complètement boomerang, tu vois. Juste au-dessus à l'instant. En mettant full amulette. Merde. Oh. Je vois. Ils ont dû monter. C'est vrai que c'est chiant le boomerang. Ouais. Tiens. Oh. Permet de réaliser une quatrième attaque à la fin d'un enchaînement standard. Appuyez sur X précisément quand la troisième attaque frappe l'ennemi. Oh pff, oh, bon, alors là. Précisément. Continue vers la porte du Simorgue. Ça stun. Ah, c'est bien alors. Le boomerang. Ouais. Ouais, si mais stun, le boomerang, le mec est touché. C'est tout. Donc en gros, on parle d'une seconde quoi. Trop rabat-joie, toi, non? Oui. T'es trop. T'aimes pas les boomerangs, de toute façon. Il veut nous enfermer. Qui? Sa voix va pas avec sa tête. Il arrive. Ah mais, je m'étais dit pareil de toute façon, de base pour la tête découpée de l'arbre. Hein. Ouais, c'est oui aussi, ouais. C'est les escaliers d'Harry Potter ou quoi? Ils ont vraiment volé combien de thèmes différents, les mecs? Eh, hey, Montpellier, y a de la créativité ou c'est pas possible? Zara, il abuse des fois quand même. Impossible de trouver son propre concept, putain, le mec. Ah non, regarde, t'as quand même 5 barres. Hein. Ouais, j'ai 5 barres, ouais. J'ai la petite barre jaune. Ah. Eh. Imagine, enlever, augmente légèrement les attaques de mêlée réalisées dans les airs pour mettre la quatrième attaque à la fin d'un enchaînement. Ouais, pour moi, oui, parce que les attaques de mêlée dans les airs, est-ce que tu les fais si souvent que ça? J'arrête. Alors, j'arrête pas de faire ça. Mais bon. Ouais. On va dire qu'on va essayer l'enchaînement. Pas un canard, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. L'expression. Tu l'as poussé là? Ouais, je l'ai poussé. Je sais pas que c'était possible de pousser un PNJ. Ah. Attends, le mur, là y'a un truc derrière le mur. Mais n'importe quoi. Ridicule. Hop là. Alors à quoi sert cette zone? Mais je suis trop con, c'est mon dash qui actionne les escaliers. Ah non, c'est ma direction. Bah arrête. Pardon, c'est drôle.
Ah. Alors lui je l'aime pas. Ça sent le... Oh non. Il se sert de... Il a l'air... Il a l'air insupportable. Non, j'ai pas envie de vous parler. Encore une plateforme un peu comme ça. Ils vont peut-être t'apprendre quelque chose d'important. Non. Ah, franchement. Mais t'es malade, toi. Tu es possédé. Ah, le feu, ça... Ouah, le feu, putain. Ça fait bien, bien mal. Il est sans défense, pourquoi je le tue? C'est par là, tu peux continuer. C'est par là, oh, mais voilà, j'ai quand même oublié plein de trucs. Non, mais tu peux tout potement repasser après. Oui, ça te ressemble pas, ça. C'est... Enfin, je voulais sable du temps. Bon, on s'est déparlé. Eh, hey, je suis là. Ah, il est aveugle. Mais... Ah, au-dessus. Ah ouais, mais... Ah, mais tu peux pas t'appuyer contre le truc pour faire un saut... C'est une trappe. On la voit. Ah, fuck. Oh. Oui, je peux. Attends une minute. Un gros coffre géant. Ah non. Ouais, on dirait un réseau de statues. Vous pouvez vous téléporter entre deux statues. Bien. Et j'en ai d'autres, des statues. Oui. Le refuge. C'est bien. Top. Et t'en as fait tout ce qu'on garde des arbres à la cour. C'est vrai qu'il y en a de l'arbre. C'est fermé. J'ai encore des trucs à faire ici. Ah, c'est qu'ici. Bah, il y a à droite gauche. Là, du coup. Ah bon. Ah bon. C'est à droite plutôt. C'est une zone que t'as pas vue. Et toi? Ah oui. Attends, il y a un truc qui m'obsède depuis tout à l'heure, c'est ça. Ah, vu! Après, faut bien que j'essaye de te faire au moins une fois. Ouais, enfoiré, il est chaud. Il a l'air chaud, hein. Je pense que c'est vraiment. Ça vaut pas le coup. Ouais, bon, fort, non? T'as mis la moitié de ta vie avec un seul coup. Un seul coup, t'es mort. Il est terrifiant. Oh, il m'a supprimé. Ouais, complètement, de l'humanité. Oh, je suis dans un cachot. La prison. Ah. Seul. Ah bon. Bah top. Ça a l'air d'être un endroit sympa, la prison. Hop. Et voilà. Salopard. Tu es libre. Enculé! Ah bah non, mais... Putain! C'est vraiment une merde! Je lui rends des services quand même! Vieux fou! Ok, c'est bon, mais ça c'est juste quoi? Oui, c'est un indice. On s'en fout. Ah ah! Alors, est-ce que je peux faire l'attaque? Oh non! Dommage. C'était maintenant ou jamais. Très fort. J'arrive pas à faire l'enchaînement de 4 attaques. Je suis trop nul pour ça. Non, en fait, c'est que j'arrive jamais à mettre 3 attaques. Il me bloque tout le temps. Non, mais c'est pas grave! Si, c'est grave parce que du coup, ça me prend 2 pour rien. Au-dessus. Allez. Ouais, tu partir. Tu veux ton sable, hein? Ouais. Accumule-le. Putain, mais c'est grand la prison. C'est là. C'est très grand. Clé. T'as pas la.
faut que tu tues un des mecs qui est de la prison là, avec un œil. Pitié non. Il a la clé lui. Si t'as pas la clé, il t'ouvrira pas. J'ai pas la clé hein. Je veux la clé mais j'ai pas la clé. Donc c'est là que tu veux saccager la gueule d'un des mecs. Ou alors la clé elle est cachée autre part. Il était trop fort. La clé. Et encore hein. Foutu clé. Pas la clé. Il veut mon cul lui, c'est quoi? Bah je sais pas. C'est un fantôme. Il vole lui. C'est un fantôme. Mais d'abord. Bah t'as raison, t'as fait d'autres choses. Je parais trop souvent. Ouais il est dur. Oh t'es une merde. Il est limite invincible ce connard. Il est horrible. Bon bah là je suis comme... Attends je suis coincé. À qui a la clé? Je suis coincé à tous les niveaux. Avec ce piaf de merde. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Ouais. Là-haut un peu là. Voilà. Ah oui, j'ai fait le quatrième attaque. Ah bah tu l'as fait le quatrième coup là. Voilà. Des ennemis sur lesquels c'est plus facile de le faire. Connard. Oh là. Oh la quatrième attaque, elle fait plaisir. Ça me prévient pas quand ça arrive. L'éjaculation précoce. Ah, je pensais à la chiasse, mais tu vois, chacun ses refs. Archive sacrée. Bah cool. Ah mais je suis déjà venu ici. Ah ouais mais comment tu fais pour... C'est, quoi? C'est trop chiant. Parce que... Voilà. Ok, je sais pas comment t'as fait, parce que vu que t'étais de ce côté là, c'était bizarre. J'ai redoublé d'intelligence à ce moment là, vraiment c'était impossible mais j'ai... j'ai fait tout ce que j'ai pu. Bon, je vais arrêter de me battre avec les mecs de la prison. Je vais commencer par là. Oh. C'est nouveau ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Beau. Mais à quoi ça sert? Ouais, mais il y a forcément un truc. Ouais, je sais pas. Ah, je crois que c'était le frère de l'autre. C'est une quête secondaire. Parle! Parle, idiot! Il peut pas y avoir accès? Non, c'est abusé, dis-lui un truc là. Ah non, ça c'est n'importe quoi. Non, non. Il est à 2 mètres de nous, là. Ah. Il est parti. Ah d'accord. Il peut sortir. Le cueilleur de lune. Donne-moi une lune. Tu m'as trouvé grâce à la marque que j'avais laissée. Ah. Oui. Non. Ah oui, c'est pour ça qu'on cherchait, oui. Non, non. La lune a été... Tu suis ton chemin, je le vois bien. Des voleurs. Alors... Lève les yeux. C'est une illusion pour que ceux qui l'ont... Pas sûr que je puisse t'aider. Pourtant, tu dois admettre que notre rencontre... Non, c'est le roi. Il parle beaucoup, le cueilleur de lune. J'accepte ta quête. Aucun défi ne peut prendre ça. Protège juste une fois d'un coup mortel. En restaurant une petite quantité de santé. Oh. Encore un truc de nul ça hein. Mais pas mal. Ouais mais t'en donnes beaucoup. La vraie lune n'a... Je vois. Ça coûte trop cher, 3 c'est abusé, j'en veux pas. Ouais mais ça te sauve. Ah ça me sauve, oui, oui, oui. Mais bon. C'est un truc un peu de loser. Ça, c'est juste pour dire que le cueilleur de lune est pas loin quoi. Tu as vu, j'ai refait le truc avec l'escalier. Tu commences à t'habituer mais sache que c'est spectaculaire normalement. Ah ouais. Oh. C'est criqué. Tu ne peux rien faire, c'est... Oui. Mais t'as toujours pas le... On en a marre de la clé. On n'en peut plus. Mais moi je te dis, tant que tu bousilles pas un connard aveugle,
Mais t'es un malade. Je veux bien essayer, mais t'es un malade. Tu veux qu'elle soit où la clé sinon? Regarde, c'est le geôlier le mec. Rien de plus logique que ce soit lui qui ait la clé. Ouais, c'est ouais. C'est lui qui fout entre les gens. Je comprends ton raisonnement, mais ça se voit que c'est pas toi qui dois te battre avec lui. Je pense parce que c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Parce que quand il te chope, c'est prison direct. C'est même pas quand tu meurs, c'est prison. Il est où le geôlier là, le connard? Non mais regarde, il suffit de passer. En fait, il suffit de passer ce passage. Et à la fin de ce passage, tu récupères la clé du geôlier. Ok. Voilà. Voilà. Et donc là, d'après toi, il a foutu la clé, genre juste au bout du chemin. Là, là. Là, la clé, elle est là. Ah, lui il est nul. C'est trop nul. Oh, okay. Oh dommage, parce que toi t'es encore plus nul que lui. Ah, c'est des commentaires désagréables. Ah non. Attention à ça. Ah, j'attendais cette attaque pour lui faire l'esquive et je l'ai pas faite. Donner un peu de vie, c'est bien. On va le faire plus souvent. Ah, la clé va être juste là. Ça va pas tarder. Les livres brillent, donc je vais les lire. Bon. Bah, j'ai bien lu. Je monte. Tu aurais pu monter par un autre système qui t'aurait permis autre chose. Ah bon? Oui. Aïe, aïe, aïe. Il y avait des points d'accroche à côté de l'ascenseur. Pour pouvoir monter d'une autre manière et passer au-dessus de l'ascenseur. Oui, bah, on peut jouer au plus malin, mais c'est pareil, c'est... Oh non, de la magie. Et ça, c'est quoi? Je fais une capture. Ah, tu penses si je les tue tous, par exemple, il va se passer un truc? Que... Qu'est-ce qui se passe, genre, là, avec ce truc-là? Aïe, aïe, double aïe. Je suis mort. Ah ouais, là, le boomerang, hein. Triple kill. Oh. Oh, dommage. Oh. Et alors quoi? Tu t'en es débarrassé, c'est bien. Et donc non. Ok. Attends, tu n'as pas ce pouvoir pour briser ces murs magiques. Ouais. La clé, s'il vous plaît. Putain, c'est grand, hein. Eh, c'est trop grand. C'est l'angoisse, ce monde-là. C'est un labyrinthe. C'est l'angoisse totale. Ah oui, mais il y a rien en plus. Non, non. Oh là. Oh oh oh, oh, oh. Ah merde, il y a un saut. Ouais, devait y avoir une un coffre dans la zone, hein, c'est sûr. Mais... Encore un. Non. Aha! Oh oui! Oh! Non, 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 non! Attention, saute! Oh là! Oh. Saute au-dessus! Putain! Ouais, je suis sorti du truc, j'étais en plein dedans. Le raccourci pour tout à l'heure! Ah, mais non, mais ouais, c'est raccourci, c'est tout! Ouais, c'est mais c'est bien! Raccourci. Parce que la clé va être ici! Ah. Ouais, s'il y a une nouvelle zone, à la limite, ok. C'est très bien cette amulette. L'oiseau, on va l'égorger. Comment? Pourquoi? Oh, alors là, je. Pourquoi? Je sais pas ce qu'il y a un gars ici. T'as intérêt à te faire bien comme il faut. Putain, j'ai rien fait. Oh non. Oh là. Ou alors, c'est fait exprès? Je sais pas. Te téléporte pas, toté. Oui, quand même, tu peux pas lire? Non, pour une fois, tu vois, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà lu? Non. Du coup, je vais arrêter de lire.
Attends, ça va repasser. Ah non, t'aurais dû rester en bas. Oui, c'est vrai. Tu es malin, toi. T'appelles comment? Quoi? Ah mais il y a le pont magique mais il est pas solide. Nul. Aou. Ouais mais regarde. Je vais sonner la cloche. La cloche magique. Oui. Sympa les cloches magiques. Et là? Ah oui, la cloche ici. Oh là, Eric. Eric. Merde, cet arc avec ça. Oh non, Eric. J'ai tourné les yeux 2 secondes, j'ai vu sympa la copie de Splatoon surtout. Alors j'ai même pas compris. Ah, je veux même pas. Ah oui oui. C'est grand, mais que c'est grand. C'est gigantesque, c'est que des nouvelles zones. Oui bien sûr, à l'aveugle. Ouais bah on sait jamais hein. Pas lire. Ah ça vous frustre quand même hein quand je lis pas. Oula. Cette citadelle est vraiment maudite. Ou plus vrai, une meilleure version. Ça c'est pas encore écrit. Ah, non, ça l'a pas surpris hein, comme d'hab, hein. Ça le surprend nous jamais quand il y a le même but. Mais moi seul peux réussir. Donne-moi tes pouvoirs. Donne-moi tes pouvoirs. Chef, et le Sargon alternatif avait gagné quelque chose d'incroyable. Oh, t'es fou, oh t'es l'enculé mort. Ah mais moi aussi je suis fort. Aïe. Haha. T'as plus de vie, tu vas faire comment? Il toi, cercle de huile. Cercle de huile. Oh, t'as vu la flèche, elle est passée entre mes jambes. Ouais, la flèche, c'est un miracle. Voilà, reste dans le cercle. Ah, petite merde. Oh, je l'ai paré. Ah, ouais, ah. T'as gagné toute ta vie, c'est toi ça. Non, pas un ulti. T'es vraiment une petite merde. T'es une petite merde, voilà ce que t'es. Il est fort. Normal, c'est moi. Tu sais qu'ils ont fait... Ils ont codé l'ennemi pour être aussi fort que le joueur. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait... Ça devrait arriver sur 50-50, là c'est... Là, le boss est... Mais je suis hyper loin de là où j'étais, non? Je crois que j'ai... Je suis... Ouais, non. Qu'est-ce que je fous là? Mais j'ai pas eu d'arbre depuis. Quoi? Ah non. Eh bien ça sonnera la fin de ce let's play. Rien à foutre, je suis beaucoup trop loin. Ah, c'est vrai que j'ai ouvert un raccourci, ok. Bon, je veux bien retenter une fois le combat. J'accepte. Mais... Attends, mais le jeu il dure combien de temps? Parce que tu te rends compte qu'on nous a dit par contre... arrêtez de jouer à partir de Zazazul là. Ah ouais, Zazazul il est jamais venu, ça, le jeu est grand. Zazazul il est même pas là, genre c'est... C'était où le boss? Ah là-haut. Je le retente, mais en vrai il était dur celui-là. Faut que tu crois des ennemis, va. Oh, bon. Et si t'avais pas de flèche, t'aurais fait comment tout ce parcours là? Bah je serais baisé, voilà. Ah bah je vais aller chercher l'arbre avant de faire le boss peut-être. Là ce sera quand même vachement plus pratique hein. C'est plus malin. Pour la vie, pour tout, les flèches. Les potions. Ah ça te redonne. Ouais toutes tes flèches hein. Eh ouais.
Ok, faites vos paris. Va-t-il réussir à battre son double? Oui ou non? Vous avez le droit de faire une prédit comme ça, vous me casserez les couilles. Ah, mes points! Cette citadelle. Oups, ça c'est pas. Nous pas. Mais. Il est trop fort ce con. C'est pas grave, t'as deux potions de soin, plus un pouvoir qui te heal. Moi j'ai 4 barres de vie, lui, regarde ça, ce connard ce qu'il a. Ah. Tricheur avec l'arc. Tu l'as aussi, hein. Quoi? Non mais quoi? Non mais attends, quoi? T'as défoncé. Bah ils avaient même pas le temps de voter. Bon bah faut en lancer, hein. Putain le connard. C'était super dur. C'était hyper dur. Trop dur. Cette citadelle est... Ça c'est pas... Nous pas... Mais... Donne... On va savoir qui est qui. Ah. En fait, quand il fait son truc en l'air là, faut surtout pas que je sois touché, sinon c'est fini. Ouais, c'est top, une barre de vie, ouais. Ah, même idée au même moment. Ah ah, tu t'attends pas à celle-là. Et non, lui, il l'a pas appris cette technique. Mais lui, il a un ulti vers le haut qui est pas mal. Je vais ouais, prendre. Son truc d'explosion là, il est pas mal tout. Hein. Je pense que c'est des dégâts de zone. Sale chien. Connard, je déteste quand tu fais ça, voilà. Ah, le connard. Ah, c'est excellent, oh, il est trop fort. Il. Alerte, j'étais trop bien là, je suis plus bien du tout. Non! Oh. Ah, il est fort. Il est fort ce connard. Ouais, c'est fini. Ah, le fils de pute. Le fils de pute. C'est dur. Un dernier essai. Un dernier. C'est dur. Un dernier essai. C'est dur, c'est faisable, mais c'est dur. Allez. Ça c'est nous pas même de haute. Ah oui, oh, ah oui, oh, ah. Ah. Oui, oh, oui. Ah. Ouais, c'est... les flèches là, ça casse les couilles les flèches. Quand je pense que je l'avais fait en OIT tout ce segment. Je le baisse pourtant. Oh là là, comment je l'ai évité. Attention parce qu'à chaque fois que commence l'arrogance, vient la défaite. Non, arrête, oh dis pas ça. Dis pas ça. À chaque fois, c'est la même chose. Putain. Une dernière. Une dernière. Une dernière. Ok. T'as trop dit, t'as dit ça, t'as dit le... Oh. Ah, je l'avais là. C'est juste, il a trop d'attaques différentes et trop de. Les flèches, c'est pas juste. Et quand je monte en l'air, il me met un ulti direct en l'air. Il est fou le mec. Il est complètement malade. Bah alors, on est à chier.
Merde. Ta quatrième loose de suite contre lui. Ta gueule. T'es... Et bah alors, on est trop nul. Oh, je pense que t'as de la hargne là maintenant. Attention par contre. Ah, j'avais esquivé pourtant. La vie. Voilà, tu sais qu'il t'en restera une autre. Je vais partir à cette ville. C'est injuste, injuste. J'ai vu la panier en face de son ulti. Hein. Putain, j'en ai marre. Il est trop fort ce con là. C'est juste toi. Laisse-moi boire. Oh non, il t'a empêché de te identifier. Après, tu peux faire ton pouvoir de zone, je crois. Ouais. Si jamais t'es dans la merde à un moment donné. Ah, bon, on peut pas sauf qu'il va m'attaquer direct, quoi, ce gros bâtard. Faire un bref dedans, ça tue. Non, ça, en vrai, ça va. Lui je peux l'utiliser. Là. Tu fais mal. Il est fort. Tu fais mal. Il est fort. Y a pas à chier, il est fort. Il est pas mauvais. Attention. Moi aussi je suis pas mauvais, allez. Allez. Non. Non, oh, pas attention. Ça. Je suis mort. Oh non. Non, c'est bon. Oui. Oui, le con. Il est plus nul que moi, il est comme moi mais en nul. Je l'absorbe, ce nulos. Lance une puissante attaque croisée au-dessus de Sargon. Ah bah c'est ce qu'il oh faisait bah ce connard. Ah oui, putain, ah, c'est tu l'as absorbé son A mon avis, tu dois le battre plein de fois et à chaque fois il a une attaque puissante que t'as pas. Waouh. Et voilà, c'est mieux. C'est encore mieux. Quoique. C'est bien mieux ça que l'attaque fusée vers l'avant. Ouais, bam. Stylé. Et bah moi j'aime beaucoup. Et c'est dispo sur Epic Game Store. Ça sort aujourd'hui, normalement. Si vous le prenez en version deluxe, attention. Ah bien sûr, l'early access. Non, ça sort le 18. Et voilà, vraiment pas mal. Bravo Zerator. Ouais, bravo. C'est Montpellier Zerator, c'est fou. C'est fou ce qu'ils font. Voilà. Respect. Eh bien, bonne soirée. Eh ben à mercredi. À mercredi. Pour la suite du RP. Voilà, voilà. Allez. Salut. Ciao. Tranquille crazy quand je débarque, j'suis trop tranquille crazy. Tranquille baby, tous les moods sont tranquille crazy. Tranquille crazy, rime qui marque, bruit de tranquille crazy. Tranquille crazy, tout le chat répond tranquille crazy. T'es relou, t'es pas tranquille crazy. Dave te bonne raison, tranquille crazy. Tu pourras te plaindre, même chez crazy. Mazer est un tranquille crazy. Skill de Nene, quand je bats, c'est des roulettes de ZZ. Tranquille crazy, c'est pas Lucas au char, c'est tranquille baby. Moi, tranquille crazy. Moi, tranquille crazy. Moi, tranquille crazy. Moi, tranquille crazy. Mercredi, dimanche, tranquille crazy. Tous les jours, la semaine, tranquille crazy. Même quand y'a pas live, tranquille crazy. Monte le son, c'est trop tranquille crazy. Tranquille crazy, tous les jours de la semaine, tranquille crazy. Tranquille crazy, mercredi, dimanche, tranquille crazy. Sur tous les clubs, y'a des tranquille crazy. Putain, c'est tranquille crazy. Toute la commu est crazy. Là, c'est CP, tranquille crazy. Horty était, tranquille crazy. J'crois qu'on est tous, tranquille crazy. Même la ghetto, tranquille crazy. Mercredi, dimanche, tranquille crazy. Tous les jours de la semaine, tranquille crazy. Même quand y'a pas live, tranquille crazy. Le son c'est trop tranquille crazy. Tranquille crazy. Tous les jours de la semaine tranquille crazy. Tranquille crazy.
qu'il creuse. Mercredi, dimanche, moi qu'il creuse. Moi, qu'il creuse. Moi, qu'il creuse. Moi, qu'il creuse. Moi, qu'il creuse. Mercredi, dimanche, moi qu'il creuse. Tous les jours, la semaine, moi qu'il creuse. Même quand y'a pas live, moi qu'il creuse. Monte le son, c'est trop, moi qu'il creuse. Mercredi, dimanche, moi qu'il creuse. Tous les jours, la semaine, moi qu'il creuse. Même quand y'a pas live, moi qu'il creuse. Monte le son, c'est trop, moi qu'il creuse. Mercredi, dimanche, moi qu'il creuse. Tous les jours, la semaine, moi qu'il creuse. Monte le son, c'est trop, moi qu'il creuse. Walking crazy.